fo nu blani popo pli lolo si do na fo dukuada pli jiji na fo dojula nyanyu kakala pol doji nu movi bo aden jiji do pli gododora wona de tome to blada wleti enyi afen keke blato an yide kwasida wleti asiki afen keke neaji wo de tanya le sakadi afen agbale tanyi pokwe blav vo etua mesi globe aleje wo ase porte blo esi ema yila nchu ewo achu duko fo gbegbe blo katame ale yu down chu Plimi, la bonne amie sebe, maouli plimi, afatula sobe, ya namia fe akbona suta sedidi, no fiu mifa, na doyo katutu, ya irakle dododo, la bena, yewa mawa didin sikokwe, te mia fe akbouji, maufe dochola akplomi, nanchijito kle dodura ona siame, le gudwanu alea. Maturité spirituelle, tu dois traverser des épreuves. Blada ou étroit, nous faisons fiacre le gododora. Tu fais garder il est saga seke. Kuda, il est même le da. N'chitok le gododora. Son si gaseke d'un ton gawifre. Le fier garder il est saga seke. Quasi d'un si gagne il est gao. Nous faisons fiacre le gododora. Aye, quasi d'un ma ou étroit gâteau il est fier garder. Nous faisons fiacre le gododora. Le radio chiffre a fait yaval la oji. N'y a t'en actomi. Le mien fait Facebook, le YouTube. N'aime yang l'évangéliste Paul Dojin Movi. N'y a que de mien fait bus. Saung blada ble yauda song si gade ide ntoka fe nemye ide yesu nyang dodo fe alojao la agbale fe do gan fe buje fe ape megbe do metututu le khejana petit a petit aye tokble akwen ple jagble le konji ape nku metututu mi atin ayo gbedo da fe ape agbale nglo fe a nemye hia numu kuku ade le nomba sia oji blase ke vo ato bla ne vo ne bla to vo fe allo blase ke vo andre bla andre vo de ke bla vo ene bla vo de ke wo yirami L'Éternel, dans sa miséricorde et son amour à l'endroit de son peuple, met une fois encore à cœur à son serviteur, l'évangéliste Paul Dojin Lumonvi, d'organiser un programme de jeûne et prière qui aura lieu du mardi 30 août au dimanche 4 septembre 2022. TM, Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un chuffe par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le Seigneur s'est apprêté pour faire de votre vie un grand témoignage. Venons donc à cette rencontre de guérison, de délivrance, de bénédiction et de restauration. Car l'Éternel va encore faire descendre sa gloire sur nos vies. Le serviteur de Dieu nous dirigera dans cette séance de jeûne et prière dans le camp selon nos programmes suivants. Mais avant d'avoir la maturité spirituelle, tu dois traverser des épreuves. Mardi soir, enseignement et prière de 18h à 21h. Du mercredi au samedi, jeûne et prière de 9h à 12h et de 18h à 21h. Dimanche matin, de 8h à 10h, enseignement et prière. Dimanche soir, de 15h à 18h, enseignement et prière sur la radio JVA. Nous serons en direct sur notre page Facebook et compte YouTube intitulé Évangéliste Paul Dojin Lumonvi. Notez bien, nos bus seront disponibles le mardi et le jeudi de 6h à 14h dans nos annexes Jésus et la solution suivante. Agbalé Pétogan, derrière la gare routière, Hidranawe petit à petit, Tokblé à coin, Jackblé en face du CMS. Pour toute information, veuillez contacter le secrétariat du camp de prière sur le plus 228 90 95 44 52 ou le 97 71 24 21. Soyez bénis. Shalom, 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 mesdames et messieurs, chers abonnés du ministère Jésus et la solution, recevez nos salutations fraternelles ce soir. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi, la matinée, il y a oui donc la prière et ce soir, nous sommes encore dans la prière. Nous ne pouvons jamais débuter cette séance. Pour vous qui êtes en direct avec nous, sans pouvoir vous présenter quelques séquences ou quelques mots, pour cette raison, j'ai ici avec moi un papa cher à nous, qui est aussi un habitué du camp. Je vais lui adresser la parole tout de suite. Papa, soyez le bienvenu. Merci, merci mon frère. Comment est-ce que vous vous appelez? Je suis le pasteur Christian David Cossin. Je l'ai déjà dit, vous êtes un habitué du camp, on vous voit très souvent. Et quelle est donc l'ambiance ce soir au camp de prière Jésus à la solution? Je peux dire que ce soir, le camp est en ébullition. Les mêmes manquent pour dire ce qui se passe ici ce soir. Depuis mardi, nous avons constaté que le peuple de Dieu a fait massivement le déplacement. Et aujourd'hui spécialement, c'est le jour de la prière à Pemeda. Hé, mon frère, ton ennemi est à côté de toi. Voilà, je le rappelle pour vous les francophones, à Pemeda veut dire le serpent à domicile, l'ennemi qui est tout proche de toi. Voilà, papa, allez-y. À Pemeda, l'ennemi à domicile. Ce soir, je pense
selon tout ce que l'homme de Dieu a dit le premier jour, que cette semaine serait une semaine prophétique. Je pense bien que c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et je peux dire que ce soir, beaucoup de personnes seront délivrées. Et j'invite tous ceux qui sont à la maison en ce moment, tu peux partager le direct avec un ami. Il y a quelque chose qui se passe dans la capitale de la foi. Je dis bien la capitale de la foi. Beauvais, vous êtes invités. Vous tapez seulement Noumomi Dodi Paul sur YouTube ou Facebook et vous serez en direct avec nous ici. La distance n'est pas une barrière. Là où tu es, que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois un peu partout dans le monde, je te dis que ce soir, si tu nous accompagnes, tu vas avoir ta délivrance. Tu vas avoir ta délivrance. Dieu de Papa Lumumba va agir puissamment dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, quelle que soit la hauteur, je t'invite, tapez Lumumba Dodi Paul. Et vous verrez que votre vie va changer. Et vous verrez que votre vie va changer, papa. Merci beaucoup. Merci, merci, mon frère, pour tout ce que vous faites ici comme travail. Je vous encourage. Vous êtes réellement béni. Alors, merci, papa. Et chers abonnés du ministère Jésus est la solution. Voilà, nous allons bientôt lancer le direct pour vous. Actuellement, nous allons passer à la séquence des témoignages. Et actuellement, il y a de l'ambiance. Et actuellement, nous sommes en train d'écouter un chant de prestation ici qui va donc aboutir à la séquence du témoignage. Mesdames et messieurs, partagez massivement les liens comme le papa nous l'a dit. Partagez massivement les liens où vous êtes. Et nous vous le rassurons, où que vous soyez et quels que soient ces ennemis qui se trouvent dans votre vie, ce soit par la prière, ces ennemis seront ôtés définitivement de votre vie. Et par cela, les païens reconnaîtront que vous êtes en train de servir un Dieu véritable. Et véritablement, nous servons un Dieu véritable. Comme le thème le dit déjà, la Bible déclare, 10 hommes saisiront le pan d'un habit ou bien de l'habit d'un juif et diront, nous irons avec toi parce que nous avons entendu, nous avons appris, nous avons vu que Dieu est avec toi. Maintenant, ce n'est plus un juif, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui avons accepté Jésus. Et bien aimé, ces miracles vont s'opérer dans nos vies afin que ces païens puissent reconnaître la grandeur du Dieu que nous servons. Mais actuellement, nous sommes en train d'écouter la prestation. Nous allons vous faire vivre un petit moment de cette prestation avant que nous ne débouchions sur le témoignage. Où que vous soyez, restez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Shalom. L'Éternel, dans sa miséricorde et son amour à l'endroit de son peuple, met une fois encore à cœur à son serviteur, l'évangéliste Paul Dodi Lumumba, d'organiser un programme de jeûne et prière qui aura lieu du mardi 30 août au dimanche 4 septembre 2022. TM, Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le Seigneur s'est apprêté pour faire de votre vie un grand témoignage. Venons donc à cette rencontre de guérison, de délivrance, de bénédiction et de restauration. Car l'Éternel va encore faire descendre sa gloire sur nos vies. Le serviteur de Dieu nous dirigera dans cette séance de jeûne et prière dans le camp selon nos programmes suivants. Mais avant d'avoir la maturité spirituelle, tu dois traverser des épreuves. Mardi soir, enseignement et prière de 18h à 21h. Du mercredi au samedi, jeûne et prière de 9h à 12h et de 18h à 21h. Dimanche matin, de 8h à 10h, enseignement et prière. Dimanche soir, de 15h à 18h, enseignement et prière sur la radio JVA. Nous serons en direct sur notre page Facebook et compte YouTube intitulé Évangéliste Paul Dodi Lumumba. Notez bien, nos bus seront disponibles le mardi et le jeudi de 6h à 14h dans nos annexes Jésus et la solution suivante. Abalé Pédogan, derrière la gare routière, Hidranawe petit à petit, Tokblé à coin, Tchakblé en face du CMS. Pour toute information, veuillez contacter le secrétariat du camp de prière sur le plus 228-90-95-44-52 ou le 97-71-24-21. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Eh, bien, dada, de, il y a
apena mawo le zayami ela be be kee de soa e baba me be yem vale fofo ye ino fuma fome ya ela wo ina peve ya lo wo peve ela ikmo me la e wo pro me ve fifia nu ijo yenye be be sananu ye amado oba enu flepe ye ogboro na ibe nene be amro wonde kli be mate ajivio be amom ton pata ba gboro na ibe nene be obe oyi chompe eye ko yi chompe a denu podomene be ocho ekpe om ton so do podomene tabe mate ajivio eye nya te pamia dada be e no de nafuna ile podome ye yo va ikonji e yo va ikonji a o va pobe fibrom gangan gorogoro me tonle ye be viji domi tu fia o be le fibrom alea ye maga tem ajivio e la be no o dola o le ya de viji doa ple fibrom a o ta o le tona ibe docteur tona be e tu be ya vi ye va cho fibrom ya va le ya kwa over your stroa wa tone be nyonu amu ja jivio ta ne jagbagba wa de nyonu bu sino a no a chok be ne mo nyene no la me le viji go kwa e ye o wo dodo be wa wo do ye nya no be ye va se to ya ji ko ye o za tikero na yi kaka o do biro o na ya tikero ya tikere le a o so déclencher na fou ela be ko do bine ko susube no akpara be enu la tegia mute jejiwa obe atikia na amere ya jivie fuam le dua onane eye no nea abe atikia de ka o mana me yo so na akpara ka na funwa wo be ya onayi atika ome asheke kakia ndeke mejo ye eba ba me be yi ba se fi anko ye yi ava e va tojia be me fana ikura la be enu wo na kaka e ko musele isi ke iba do toji kwa o dogbe na kaka ba do yi de kwa e ipo be nanu vale kole iti nu gbegbero vale tole iti kaka be mi abi dollar ka e va pere iti sale e yi mame kwa iba trojo ke i trojo a e mo ai ke ga plero a ye ga trova toji wa ke baba toji a ime le vo me le dai ibe la me le ko ibe o nka le jajo ya ibe susu be gbogbo fon o o po ro ba fi ibe ya ka ba atake yi apo a e fofu hallelujah amen ye abe ke no pa me ka yi ojo ye ikwisro e o ba ikonji be leke no ga le wo yi dua bono po iboye dokita obio me yowo efu be test isoro be o be oni dasi le test be nyati be nu ile jomo nya fu nya la be onto nya nu ike o gboro nawo ye obe a obe yo be doye yoru la o test esoro be a o kaka ko ba cho test a o test o wo kwa e test ale de fio be efu le mi anu asi hallelujah amen Uchu abe aobe meme kona yo no gbatro weke o gba weke atesa gale gbo be fulesi o be a ofifia o be ya ekografi ayo ba ekografia nukuru toya ameyi wo ekografia ayi wo wo ekografia zika ko be nnonu be mawuka o subona ye be itore be ibaduna gbara le pove be ibana pove yo be nyawo be nu ipo be mawunto e so via daro po domene be fibro male wo fibro mi le polo po domenia mate na be wa fofu gbere o ela be fibro ma tu vidi do le blo mama gbona be wo wa de enu a odore na ya wo so gavire no bo so do nyon mena yi a de nu a fibro ma tu na mo ka gaviam te yi na ba ye ma dokta mi wo ekografia le blo be nukunu be ne ipo vo nu ipo le ke nu yi wo nukuna ye be fibro ma o meto wo le fima voix de via autour de via d'arrêt tamena fibromao
Oh, alléluia. Amen. 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 J'aimerais dire quelque chose. Amen. Nos ennemis ne prendront pas le dessus sur nous, mais ils seront sous nous. Parce qu'il est écrit que le diable est placé sous nos pieds. Alléluia. Amen. Et peu importe le développement de ces fibromes en question, ces fibromes ne pourront rien faire à l'enfant. Et bien, non, et mon le devia si be mateto il est échographie kaka va do le tiam andrea mea et on va tourner be fifia il est il va no dafu il va y le tiam andrea va y enyi le tiam cheke. Oh hallelujah, praise the Lord. Ye game va su va y conji et on va pe a obe devia trona djivoa fibroma le khe mo be mateto bo be do koyoa devia ne. Mais après, on va faire un fibrom à Benyabo. Quoi? Le Yeshua, on va dévianer. Et il devient l'agbe. Non, non, l'agbe. Oh, alléluia. Amen. Pour un seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Quoi? Mian obé, il plona Yeshua, ne devient maouté ou kaka devima, ne kemo ou kaka y dia. Mais il y a toujours un fiam maoule du corbe koumé. Et y a dak bene quoi ezaya mea nous yo gbo lo be ye ma le po alo ma jole ba gbe mo po wa apetona ejo nous yo be ma ba mo apetona e ba mi quoi eji joy be ya ba adak bena mau ame yi na ifi yi o be yi ba ji gbere wa ni wa wo dona yi cha fi ji do cha ro lajo kaka yesua fibro ma cha be ile wo ito kaka yesu cha be ya wo ito no wa pora. Alléluia. Amen. Yesu to konye jirudu. Amen. To wo ko elanye jirudu la. Alors à toi sera la victoire. Mi a to elanye jirudu. À nous sera la victoire. Nabe futo wa du jipo. Nos ennemis n'auront jamais le succès. Ta ne o gboro no bo cha o ma ji o. Me gboro nji me bere usine à la fille. Maula chena o la ji. Amen. Eh amola po la nyabe mau yi de gboro la. Elolo. Amen. Oh, amen. Amen. Da megavon. Me kanya yi dokita o le gblo mo le gblo gbeto mo le gblo. Amen boneva. Eye wo vigido. Ye gblo nyari be mi yi mi avaji. Ele jaji. Amen. Ne didi han ele jijige. Amen. Oh, gblo amen God. Répondez amen. Voici que dans de kana Yesu Kristo. Acclame plus fort le Seigneur Jésus. Recelo. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, la maman est très contente de remercier le Seigneur Jésus. Elle dit qu'elle s'est mariée par la grâce de Dieu. Et 2 ans, elle ne tombait pas grosse. Un jour, elle est revendeuse. Elle était auprès de ses marchandises. Quand des gens venaient la dire que vraiment, toi, tu ne vas jamais avoir d'enfant parce qu'ils t'ont emmené auprès des gens qui ont fait des sacrifices sur toi. 3 personnes sont venues la dire cela. Et mais de temps en temps, ils ont aussi été à l'hôpital et c'est là que l'échographie a révélé qu'elle avait 3 fibromes dans le ventre. Et son mari, et déjà les docteurs sont étonnés et ont demandé que son mari vienne. Par après, ils ont vu son mari et l'ont dit, et tu sais, tu vas faire un effort pour prendre une seconde femme parce que cette femme en question ne pourra jamais te donner d'enfant. C'est le seul moyen par lequel tu peux faire partie de cette femme. Alors, le mari ayant appris cela, ne disait rien à sa femme. Et sa femme aussi, par après, vu les situations, est venue dans le camp de prière ici. Elle est venue prier. Et dans cette prière, il y avait des choses qui sortaient d'elle. Et elle est restée dans le camp et elle se disait, mais je vais venir ici et encore partir avec une maladie. Du retour à la maison, son mari l'a amenée à l'hôpital. Et quand les médecins ont demandé qu'on doit faire un test de grossesse,
Et puis le mari disait non, que ce n'est pas la peine, parce que lui-même savait qu'en aucun cas, sa femme ne tomberait jamais grosse. Et ils ont fait le test, ça a été positif. Ils ont fait encore un second test, ça a été positif. Et c'est là qu'ils ont allé faire l'échographie. Et le médecin en question a commencé par dire, « Femme, quel Dieu sers-tu ? » Il a dit que moi, je viens prier au camp de prière. Jésus est la solution de COVID. Et c'est là que le docteur dit, vraiment, c'est Dieu qui a placé ce bébé ou bien ce fœtus à cet endroit. Ce que je vois ici, c'est que les trois fibromes en question sont disponibles. Et ils ont même bouché ta partie intime, ta trompe, au point où tu ne peux jamais concevoir. Mais avec ce que je vois, le bébé ou bien le fœtus est placé au-dessus de ces fibromes. Et peu importe le développement de ces fibromes, les fibromes ne feront aucun mal au fœtus que tu portes dans le ventre. Et les médecins ont recommandé à ce qu'elle fasse de l'échographie jusqu'à 7 mois avant qu'elle n'aille maintenant aux consultations prénatales. Elle a obéi à tout cela. Effectivement, par la grâce de Dieu, le 8e mois, le 9e mois fut arrivé. Les médecins ont dit, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons procéder à une opération chirurgicale et enlever le bébé et prendre soin aussi des fibromes. Par la grâce de Dieu, tout cela a été fait en toute paix. La maman est vivante, le bébé aussi est sorti vivant. La maman avait fait cette promesse à Dieu que si Dieu permettait à ce que le bébé qui est placé sur les fibromes arrivait à sortir vivant d'elle, elle viendra témoigner cela publiquement. Et l'orateur, bien le frère qui reçoit le témoignage, renchérit cela en disant que ici, c'est une usine des bébés. Si vous en avez besoin, pendant que vous allez venir, le Seigneur Jésus vous le donnera. Peu importe tout, peu importe ce que les tradis thérapeutes vous ont dit, les médecins, les docteurs, les tisanes, quoi que ça ne peut pas aller, avec Jésus dans ce camp de prière, vous avez à coup sûr la solution. Acclame Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Bien aimé de Kunka Yesu. Praise the Lord. Alléluia. Yesu de Mle Kupasime. 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 Yesu Les endroits, ils me donnent alors. Les netagwa me les dum. Odo abionam. O wande kwekwe tagwa me les dum. E les kam. Tagwa me les buludom. Nem dalwa, nem les dalwa. Une histoire que tu vas do toja. Papa les dogbera. Be à Mexico les kupasimia. Be bwa onegbo. Wa wa mukoka tutu. Kim jai kim fompa. Eno akata. Alléluia. Amen. Voici que le Jésus Christ. Acclame le Seigneur Jésus Christ. Amen. 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 Vendredi, bétonzinam. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Yehova. Amen. Awo si ben ke kamaton mena maton. Maton ye o va fi. Kwa Yesu yo dono. Amen. Amen. Alléluia. La maman aussi est très contente de remercier le Seigneur Jésus
Elle dit qu'elle a effectué un voyage pour un culte de revoir et dès son retour à la maison, elle est allée pour prendre sa douche quand quelque chose est tombé sur sa tête. Et c'est là qu'elle n'arrivait plus à respirer correctement. Elle a commencé par crier « Dieu de Paul de Dinumovi, viens à mon secours, viens à mon secours ». Et par après, elle est sortie de la douche et elle est allée s'asseoir. Des gens sont venus lui voir, mais elle dit que 5 jours, quand la nuit arrive, elle n'arrive pas à dormir, les maux de tête s'intensifient seulement. Mais le mardi, elle est venue dans le camp de prière ici. Et pendant la prière, l'homme de Dieu disait que ceux qui sont à l'agonie, ou bien ceux-là qui sont menés à la mort, que l'Esprit de Dieu les délivre. Et c'est là qu'elle a reçu une forte délivrance. Et après cela, les douleurs qu'elle avait dans sa tête ont disparu. Aujourd'hui, elle est à l'aise, raison pour laquelle elle est venue pour remercier le Seigneur Jésus, celui qui l'a délivré de la mort. Acclame Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la maman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. My word of God in a doiko na ma. Name me back black where I'm at and Joe. Bravitukiroko. My bravitukire. Eh. Eva va me be. Dolele va jeji e doma nyemo ya fike be chocham e dolele wa ne o mla nya o wa daron e alo ma do ma do alo ma do ma do me dolele e ye me lati ko nu me yi ko ji me wo de pepe e glo me de kuku e dolele alo ma do ma do pe do re e wo e pe bla ve ya. Epe blave. Epe blave ya. Yo ngba dana lo. Oh. Eh ye. Me va se be oyo ta pepe le pove. Ke musenene mbe ba va. Mna ma ula won le la pe yen me. Amen. Eh ye me va me je mo me va. Ke me va nya ho a. E dolele wa ko muso le sama na ma o. Et dolele ma ko muso le samana mau eh gbeke gbe mu va yen mu daran eun ke a mu daran eun gba ke a mu daran eun gba ke a mu daran eun gba ke a mu daran voici pele Jésus là acclame Seigneur Jésus les acclamations pour Jésus acclame plus fort Jésus amen un peu blavé. Une maladie qui a duré 20 ans. Allô, madame, madame, dolele. La maladie de l'insomnie qui a duré 20 ans. Elle a pris des médicaments en vain pour des solutions. Ils ont été dans des hôpitaux en vain. Mais pendant qu'elle est venue à Ove, le premier jour, la maladie a pris le dessus sur elle. Les jours qui ont suivi, elle a disparu. Pour toi aussi, disparaîtra cette nuit. Le fardeau que tu as amené dans ce camp de prière disparaîtra cette nuit. Amen. Garde-la. Réponds Amen. Alléluia. Oh, Amen. Amen. Que Dieu bénisse la maman. La maman voudrait dire seulement un sincère merci à l'éternel Dieu. Elle dit qu'elle a souffert d'une maladie d'où elle méconnaissait l'origine. La maladie, c'est de l'insomnie. Cela a débuté depuis 2002. Elle dit que la maladie fait déjà 20 ans dans sa vie. Elle n'arrive même pas à dormir. Toutes les nuits, elle ne dort pas. Elle a pris des médicaments. Elle a été dans les hôpitaux en vain. Et finalement, elle a appris qu'il y a une séance de prière au camp de prière. Jésus est la solution. Ayant appris cela, elle est venue pour confier cela à Dieu afin que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Elle dit, elle est venue le premier jour, elle n'a pas dormi, mais elle a prié. Mais les jours suivants, le deuxième jour, elle a dormi correctement. Et depuis ce deuxième jour-là, la maladie a disparu de sa vie jusqu'à présent. Et ce soir, elle est venue pour dire merci et gloire au nom de Dieu. Amen. Maman, vous êtes bénie, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
L'ancien agit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et dire John ma otro ya la be ma u du gigande da enoni. Dike ma u do ne. Ela be eyo do ne. Tutu pa ke ma ba fia a vifa fem sova ga ke ke ma joa enu koko em sojo e ke ma ga trova mba kudo da se didie. Amen. Elle est belle, tu as mes veuilles. Et dans les gens, elle est belle, le cando, quoi, tassimi, emijo, et dolela vone, emijo, kemijo, aleo, trois mois, à king, bemi galeva, et j'ai ma dac, bena maou, et la bena, et gade, pony, me vero, sova, et le quick bo, maman, et keni, et non, et benoit, vejuse, beni, sauf du ferme, vejuse, beni, n'a mauva, boa, broma, ou n'a n'a, à dire, besok, bena, nao, yo, jona, voa, gake, kemi, va, toi, a dit, et ma oudina et via Keninonia. Et soi bak bena Yesu. Alléluia. Voici bena Yesu là. Acclame Jésus. Oh, alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et non, y'en tocha et cham ke ina chochu. Et cha vejus ya ke beni. Et cha tro dime. Fofo nye yo me ke mu jodwa. Et ça trop donc ma tu bena presque pour me quelqu'un to ma oube donc e be wo le tu a dit le nonye bag be mea wa ke ko so bag be na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Oh praise la. Alléluia. Em di be ma dak be na ma u be amisisi ke le tu a dit a enu mai gbero leke kebe le areke kobela no la kanu yeji anu yeji. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur est très contente de remercier Dieu pour la vie de sa maman. Elle dit il y a de cela à peu près 5 mois nous pouvons dire quand sa maman est tombée malade et c'était la dépression mentale. Elle est adepte d'une fétiche et ils ont essayé de faire ça, cela auprès des charlatans en vain. Eux autres sont allumés quand ils ont appris l'information. Ayant appris cela, ils sont allés prendre leur maman et sont venus dans le camp de prière ici. Arrivés, leur maman a été mise dans la cellule des malades mentaux. Pendant un mois, le Seigneur Jésus a complètement guéri sa maman. Mais il y a de cela 3 mois. Après, ils sont repartis, il y a de cela 3 mois. La maladie n'est plus encore revenue. Et la maman agit correctement et c'est une joie première. Elle dit que ce n'est pas fini, que sa grand-mère est aussi adepte d'une fétiche. Et ça, c'est depuis son enfance. Et ayant appris que dans ce camp de prière, sa maman ou bien sa fille a été guérie de la dépression mentale, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Sa maman même étant adepte de sirène, ayant vu, adepte d'une fétiche plutôt, et donc ayant vu plutôt les merveilles que le Seigneur Jésus a accomplies dans sa propre vie, elle a accepté suivre le Seigneur Jésus. La sœur dit que son grand frère aussi n'était pas chrétien, mais par la guérison de leur mère, le miracle que le Seigneur Jésus a accompli dans la vie de leur maman dans ce camp de prière, lui aussi, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Presque actuellement, tous les membres de sa famille qui ne connaissaient pas le Seigneur Christ, par la guérison de leur maman dans ce camp de prière, eux tous, ils ont accepté maintenant suivre le Seigneur Jésus. Et cela est une joie pour elle de remercier Dieu. Et elle dit qu'une onction forte vient encore sur ce camp de prière et sur son serviteur. Et non seulement
l'onction sera stable, mais du jour au lendemain, que l'onction en question soit renouvelée et que l'onction accroisse du jour au lendemain. C'est sa joie de dire merci à Dieu pour les merveilles dans sa famille. Amen. Amen. Mais de coucou, doi que ma wana le tue aji, le nu me ineto, et ma ou de ware, n'yade la sio, a te brona mare y ke le po, le senko, alo, eba me, le chen me, abele ke ocha, ne no, a batobe kpami, e ye ou le tue aji le fi, lo, amede le toji, e ye ou le senko, le semianko le po, e n'yade li ke, a te ak brona ou, abe mousse doa me be n'yade, le doi ma wana ou tia. Ma oui, ma d'accord, la yes, mais comment? Y'a d'or, que y'a mon coco, on va voir quoi d'or, le tia dit tia d'olo. Fifiari, beaucoup bon pour l'oisan, bon, ne comme job. Oh, bon, yes, ou bon, va, eh, vous. N'y a qu'à aller à tête pour l'homme coca pour le beaucoup bon imo. Eh, j'ai dit la bête, va y souper, yes, ou y'a d'or, la bête, y'a une bague de beaucoup bon imo. A me yo, botolé, y'a une noire, n'y a relation à voir. Ah, oh. Mama, okuna ngontolo. Mbere. Mbere. America poto oyibo kokpo ki dolelea. Na de kemejo. Fifia okpo ba Yesu bo. Eye ekpoto yoyode. Amade ike poto lo bokpo le tonu me boa. Ekpoto lo bokpo re nya kai na te blon na ofifia ma. Meji bo cho le ba uno kpo jije. Mo lo kpo to yoyo lo kpo jije lo. Amen. Alleluia. Amen. Ebe nya me ko ela be. Mouille la church, dolele et revaille au wako Yesu. Ta maune yirao. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la maman. Elle exhorte tous ceux-là qui sont encore actuellement auprès des charlatans et des féticheurs avec les fardeaux, les difficultés à venir auprès du Seigneur Jésus, celui qui donne la solution et celui qui donne la paix et la joie. Amen. Ta ame yokata ba mou le chen ma alo la ma tobe kpamea. Ji kamega choumia fo. Ma ou yke le ouwea. Elle ya donc koumia vi oji. Elle est donc où mia no oji, elle est donc où mia to oji, mia ba me repe il et pas me la fille, abe, a me il est letta, gobble pedoa, le mia no clevia over fi, ye de via le dit la secure noa, pedo, pocontia, ocha a dit la secure toonti. Amen. Oh, amen. Amen. Pour vous tous qui avez vos malades dans les cellules, des malades mentaux, ne soyez pas craintifs. Le Seigneur Jésus est à l'œuvre, tel qu'il l'a fait à cette maman et sa fille est venue pour rendre témoignage. De la même manière, il le fera pour toi et tu viendras rendre aussi ton témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, M. Jinamawa. À quoi tu dis? Dieu m'a dit, Agbaja Harikana Mawu. Ya. Lucifer tafou, vevere, awe, Satana tafou, vevere. Mais Lucifer, Satana tafu bevere, awe Lucifer tafu bevere. Gai meme subwe vaya, Satana tafu bevere. Mi pamda, non metanama. Mi pamda, non metanama. Non, Le bane va plum bevide, mi pole satana va plum bevide. Caribe me suba vaya, satana va plum bevide. Me koye swa, non me tronama. Me koye su, non me tronama. Me koye su, non me tronama. Me koye su, non me tronama. Satana va plum bevide. Satana va flouver, Satana va flouver, Satana va flouver, Satana va flouver, Satana va
Oh,
Jésus, ton état, ta situation, ton histoire, tout est restauré. Le diable va complètement te ruiner, te détruire, t'anéantir. Mais Jésus, il rebâtit l'homme. Amen. Ce matin, et ce soir plutôt, il va encore nous revêtir de nouveau. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. 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 Nos soeurs, nos frères nous recommandent de remercier Dieu en leur faveur. Ils sont venus dans ce camp de prière avec divers problèmes. Les problèmes de maladie, d'études de leurs enfants et plusieurs, Dieu les a délivrés du malheur et des accidents et nous recommandons de remercier Dieu en leur faveur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs en question. Maintenant, l'heure a sonné. Que nos ennemis soient encore confus. Et que le Seigneur Jésus-Christ combatte pour nous. Dieu nous a tellement bénis aujourd'hui. Amen. Les démons qui diront ils ne vont pas vivre pour en jouir, ils ne vont pas rester auprès de ces bénédictions. Nous allons les briser cette nuit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Aujourd'hui, à la fin du culte, quelqu'un est venu me voir et me disait que pendant que l'homme de Dieu priait pour la bénédiction et qu'il demandait à ce que chacun reçoive une forte bénédiction, qu'il a vu une explosion volcanique à la plateforme ici et cela s'est transformé en jet. Ce ne sont que des grains, de l'or, de l'argent qui tombaient dans la foule et tout le monde en recevait. C'était maintenant du bruit, une question de lutte pour en prendre. Amen. Amen. Alors en ce moment, nous allons entendre la parole de Dieu et entamer la prière. Et c'est la prière de combat. Dieu va utiliser son serviteur, celui qui a honte et responsable dans ce temps. Je vais nommer le serviteur Noumovi Todi pendant qu'il se lève. Nous allons acclamer Jésus. Acclame Jésus. Les acclamations à Jésus. Les acclamations à Jésus. Acclame Jésus. Jésus. Quelle est cette clé qui ouvre toutes les portes? Masero. Jésus est cette clé. Il est la clé suprême. Lorsque les serpents à domicile Jésus, quelle est cette place que Jésus n'a pas bouclé? Yeah.
Celui qui vous a réunis ici de part et d'autre, à travers Jésus, je vous souhaite tous la bienvenue ce soir. Alors ceux qui ont eu la grâce d'être au camp de prière, Jésus est la solution cette nuit, vous êtes immensément bénis. Vous êtes bénis parmi les enfants de vos mamans. Tu es béni parmi les enfants de ton père. Amen. Ce n'est pas tous les membres de votre famille qui se trouvent ici, mais c'est toi particulièrement qui es ici. Alors je déclare que tu es béni dans ta famille. Oh, alléluia. Amen. À chaque jour, ces séquences de prières dans ce camp. Et pour ce soir, nous avons pour thème serpent à domicile. Le serpent à domicile, c'est l'ennemi de l'homme qui est tout près de lui. Oh, alléluia. Amen. L'ennemi de l'homme qui est tout près de lui.
Et cet ennemi souhaite sa mort. Cet ennemi recherche sa destruction, sa ruine. Permettez-moi de le dire. L'ennemi est différent de l'adversaire ou de l'opposant. Lorsque tu entres un peu dans la Bible, la version EV éclaircit bien les choses. La version EV a bien mis la différence entre l'ennemi et l'adversaire. Alors Jésus dit, si ton adversaire a faim, donne-lui du pain à manger. Oh, alléluia. Amen. Alors prie pour ton adversaire. Mais l'ennemi, Jésus n'a pas recommandé de prier pour son ennemi. Et les gens confondent les deux termes. Voilà pourquoi je voudrais encore expliquer ceci aux chrétiens. Dieu n'est pas meurtrier, il ne tue pas. Amen. Dieu ne tue pas. Mais lorsque tu es décidé à tuer un enfant de Dieu, toi-même tu finiras par mourir. Auparavant, nous étions simplement là. Et les méchants sont dans la famille. Amen. Auparavant, nous étions dans l'ignorance. Et les méchants, les sorciers de nos familles, ciblent simplement les étoiles de la famille. Ces personnes-là qui sont très intelligentes dans la famille, ils les ciblent et les tuent brusquement. Et après la mort de ces personnes, c'est ces ennemis-là encore qui sont là à pleurer, à couler les larmes, soi-disant qu'un malheur les a frappés. Mais s'il y avait de tels ennemis dans ta famille, si de tels événements arrivaient dans ta famille avant que tu ne viennes ici, aujourd'hui, ces ennemis et sorciers seront frappés à mort. Vous verrez quelqu'un qui est la référence dans la famille. Quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent, qui soutient la famille. C'est cette personne-là que les méchants ciblent. Il y en a qui ont. Amen. Il y en a simplement qui ont commencé par bâtir une maison à étage chez eux dans leur village. Et déjà après la première dalle, la personne brusquement est décédée. Et simplement on est venu exposer son corps dans la maison qu'il a commencé par bâtir. Si de tels événements frappaient la famille, aujourd'hui cela n'arrivera plus dans ta vie. C'est pourquoi cette prière est une prière dangereuse. Et Dieu m'a fait cette révélation. Et il m'a dit que les êtres humains se trompent. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. L'un de nos frères avait célébré le mariage dans une localité donnée. Et le jour même où le frère a célébré son mariage, l'un de ses frères, la même nuit où le mariage, ou le même jour où le mariage a lieu, la même nuit, la fille a été frappée de folie. Et c'était le beau-frère de cette fille-là qui a jeté le sort de dépression sur la fille. Yeah.
Durant toute une semaine, la fille était violente, elle était agressive. On n'arrivait pas à la maîtriser. On lui a fait des injections, on lui a donné des somnifères, mais toujours personne n'arrivait à la maîtriser. Elle a été transportée dans ce camp. Et nous avons commencé par prier. Alléluia. Amen. Dans la prière, lorsque Dieu a délivré la fille, elle s'est retrouvée, elle est revenue en elle-même. Nous avions prié un jeudi soir. Et la bataille s'est enclenchée dans la maison de cette fille. Alléluia. Amen. Et le jeune homme en question qui était le beau-frère de cette fille a commencé par crier. Et il dit que c'est lui qui est à l'origine de ce qui arrive dans la famille. Si cette prière-là n'existait pas, Amen. Si cette prière-là n'existait pas, cette fille allait devenir folle pour toujours. Et ce méchant qui était à l'origine serait en train de se plaindre encore, de compatir avec la famille. S'il y a de tels ennemis contre toi avant que tu ne viennes ici, cette nuit même, le Seigneur va les dévoiler dans ta vie. Je continue par le dire que Dieu ne tue pas. Mais si tu es ma mère, tu es mon père génétique, tu es un membre de ma famille, et tu ne veux pas me voir vivre, moi-même on va te chercher et on ne te verra plus. Voilà pourquoi je prophétise sur toi que Dieu combatte ainsi pour toi cette nuit. Réponds plus fort, amen. Amen. Réponds fortement, amen, là où tu es. Amen. Lorsque je parle un peu au sujet des serpents à domicile, je voudrais vous faire savoir que nous sommes dans un monde méchant. Et si Dieu ne se lève pas, le monde ne saura jamais sa grandeur. Aidez-moi à dire amen. Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Un jeune homme s'est marié. Et il a passé 14 ans de vie conjugale. Son papa avait spirituellement enlevé son sexe. Et après leur mariage, ils ont juste passé 4 ans de réjouissance ou de jouissance conjugale. Et après les 4 années, le monsieur était devenu sexuellement faible et tous deux étaient simplement là dans la maison. Et finalement, ils ont appris de ce camp de prière, ils sont arrivés. Et nous avons prié. Le père du jeune homme même a dit et il dit que son fils l'a offensé. Pour cette raison, il doit venir lui demander pardon avec un bélier, de la boisson et quelque autre chose avant qu'il n'ait d'enfant. Le gars dit qu'il a tout fait pour son papa. Mais la situation persistait toujours. Les sorciers sont capables de détruire, mais ne sont pas capables d'arranger ou de restaurer. Mais si l'Éternel Dieu se lève, il va te restituer. Qu'une personne bénie dise amen. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a accompli un mystère. Alléluia. Amen. J'ai demandé au gars d'observer un jeûne et prière de 14 jours. Le gars et sa femme.
J'ai conseillé la femme, je l'ai encouragée, je l'ai dit qu'elle est une femme vaillante et durant 10 ans, elle a gardé le courage de vivre comme cela avec son mari. Elle n'a pas quitté le foyer conjugal. Oh, alléluia. Amen. Et après le jeûne et prière de 14 jours, Dieu s'est manifesté. Dieu a combattu pour le jeune homme. Alléluia. Amen. On dit, son papa a appelé l'un de ses frères. Et il lui disait qu'il appelle son petit frère afin qu'il puisse lui présenter ses excuses. Que son Dieu est venu le frapper. Et il ne sait plus s'il pourra encore vivre. Alléluia. Amen. Et lorsque le monsieur dans le camp ici a reçu ce message, il a quitté le camp et allait chez son papa. Il n'était même pas encore arrivé chez son papa. Le Seigneur a terminé la bataille. Son papa était couché sur son lit. On ne sait pas comment la chose s'est passée. Il est tombé du lit. Il a commencé par saigner par ses narines. Et rapidement, il a succombé. Pourquoi? Il était déterminé à tuer son fils. C'est lui qui l'a engendré. Eh bien, ce n'est pas lui qui est le créateur de cet enfant. Alors, le créateur de cet enfant s'est levé. Ton créateur se lèvera cette nuit. Ton créateur se lèvera cette nuit. Ton créateur va se lever cette nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le créateur de ce jeune homme s'est levé. Le mois qui a suivi, la dame est tombée enceinte. Le jeune homme a reçu sa totale guérison. À cause de toi, certaines personnes vont partir. On cherchera certaines personnes et on ne les verra plus jamais à cause de toi. Si quelqu'un est déterminé à t'éliminer, Dieu écrasera la personne. L'Éternel va combattre cette nuit. Cette prophétie, qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Qu'elle s'accomplisse dans votre vie. Alléluia. Amen. Alors s'il vous plaît, je continue par vous supplier. La théologie selon laquelle on enseigne que ces prières de combat ne sont pas de bonnes prières, s'il vous plaît, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. La prière que nous faisons, Dieu n'est pas insensé. Si mon interprète qui est ici ne souhaite pas mon mal, et je vais simplement prier pour qu'il meure et Dieu ira le tuer au grand jamais. Au grand jamais, si ma mère, mon père, mon ami, une personne intime à moi, ne souhaite pas ma destruction, et je vais simplement prier et Dieu irait tuer la personne au grand jamais. Dieu n'est pas une idole. Mais si je dis, mon infécondité que je traverse, je traverse la situation, je n'ai toujours pas d'enfant. Celui qui est à l'origine de mon infécondité, que Dieu combatte pour moi. Et que Dieu frappe quelqu'un et que la personne commence à crier en disant c'est moi qui suis à l'origine. Laissez-moi savoir si Dieu a révélé sa grandeur ou pas. Il l'a révélé. Ils ont l'habitude
Ils ont l'habitude de tuer les gens, mais jamais ils ne pourront te tuer. Elle peut être ta mère, il va partir. Écoute bien ce que je dis. Pour cela, cette nuit même, tu vaincras. Réponds Amen. Plus fort, Amen. Cette nuit, tu vaincras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, on peut gloire. S'il ne souhaite pas ta ruine, ta chute, ton malheur, Dieu ne va pas l'attaquer. Ou quelqu'un t'amène vers un féticheur, un charlatan, pour qu'on te tue. Et la puissance de Dieu écrase les choses dans le couvent de ce charlatan. Et que le charlatan confesse les choses avant de mourir. Et toi, tu vas dire que Dieu n'a pas fait de meilleures choses dans ta vie. Imagine un peu si ce charlatan-là est toujours vivant. Imagine le nombre de personnes qu'il va tuer. Parce que lui, il est là simplement pour tuer les gens. Mais toi, tu es une personne extraordinaire. Si on t'amène chez quelqu'un, la personne qui t'a amené et celui-là qui est là pour te recevoir, pour recevoir ton nom ou ton âme, les deux seront vaincus. Celui qui t'a amené vers le féticheur et le féticheur lui-même, tous vont périr. Tous seront vaincus. Les là. Et cette nuit, Dieu combat farouchement. Amen. Réponds plus fort, Amen. Assois-toi, s'il te plaît. J'explique un peu ces choses. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des théologiens qui trompent encore la vigilance des gens. Et ils sont en train de dire aux gens, on ne doit pas faire cette prière. C'est parce qu'ils n'ont pas encore été frappés par un malheur. Si le sorcier veut te menacer, et prier et dire que Dieu pardonne les péchés aux sorciers pour qu'ils survivent, en aucun cas. Le sorcier veut transformer ton fils en poule pour manger une seule nuit. Qui vous a dit que le sorcier se répand? Si Dieu ne se révèle pas, aucun sorcier n'est capable de se convertir comme cela. Et avant que Dieu ne se révèle, il se révèle dans une autorité donnée. Et c'est dans cette autorité-là que Dieu se révélera. Répondez Amen. Amen. Répondez Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, ce lieu est un camp de prière. Ce n'est pas une église. Alors nous faisons vraiment ces prières de combat dans ce camp. S'il vous plaît. Je vais lire juste le passage biblique et nous allons continuer avec la prière. J'ai juste partagé ces témoignages avec vous afin que vous compreniez mieux certaines choses. Il y a une maman ici. Elle a un hôtel ou des hôtels. Alléluia. Amen. Il a embauché un membre de sa famille, un proche, comme responsable de ses hôtels. La personne en question a tout fait pour faire un gris-gris avec le crâne humain. Ils sont allés chercher les organes humains au Cameroun. Et ils ont fait des gris-gris avec. Maman,
Premièrement, ils sont en train de s'approprier des biens de cette maman, des hôtels de cette maman. Et au second point, leur idée, c'est que cette maman meurt. Et la maman était venue dans le camp, moi j'étais en train de rendre ministère. Et je lui ai dit comme ceci. Dieu m'a parlé de la situation. Le jour-là, elle a reçu une forte délivrance par rapport à la mort. Et la maman, elle est repartie. Elle dit la situation a fait que elle avait carrément oublié ces hôtels qu'elle a confiés à cette personne. Amen. Si quelqu'un ou si quelque chose t'appartient et que quelqu'un est allé faire des gris-gris afin que tu oublies la chose, aujourd'hui même tu te souviendras de la chose. Et la maman est retournée. Elle est retournée là où elle avait l'hôtel. Et elle est allée découvrir la réalité. Même c'était une affaire de la gendarmerie. Ils sont allés voir les gris-gris que le monsieur en question avait fait pour tuer la maman. Afin que les biens de la maman l'appartiennent désormais. Quelqu'un a dépensé des millions pour bâtir son hôtel. Et quelqu'un d'autre est décidé à éliminer cette personne. Eh bien, on t'a simplement employé là. Et c'est ce que nous appelons serpent à domicile. S'il y a de tels serpents contre toi, Dieu combattra pour toi cette nuit. Alors si je partage ces témoignages avec vous, je voudrais simplement te dire que Dieu l'a fait aux gens, ils ont rendu témoignage. Dis maintenant, c'est mon tour. Une deuxième fois, c'est mon tour. Moi aussi, je rendrai un témoignage. Aidez-moi à dire à plus fort, amen. Alors pour tous ceux qui sont ici et qui prient, cette prière de serpent à domicile, nous ne le faisons pas légèrement. C'est une prière dangereuse que nous faisons. Et chaque jour je le dis, Dieu dispose de 5 types de formes. Quand je le dis, ceux qui maîtrisent un peu la Bible, qu'ils me suivent pour voir si je dis la vérité ou pas. Dieu, il est le roi des rois. Alléluia. Amen. Avocat. Il est aussi un avocat ou notre avocat. C'est Jésus ça. Il est aussi le juge. Il est aussi le grand docteur. Lorsqu'il porte sa blouse, de médecine, lorsque nous disons que les maladies partent, les maladies disparaissent aussi en même temps. Il est aussi appelé l'éternel des armées. Lorsqu'on parle des armées, il existe plusieurs généraux. Mais le général suprême qu'on appelle le chef d'armée, celui qu'on appelle le grand chef d'armée, je voudrais dire, l'Éternel est le chef d'armée au ciel. Lorsqu'il porte sa cuirasse et ses manteaux de combat, ses anges aussi portent leur cuirasse et ils se rendent sur le champ de bataille. Si tu es placé dans une pierre, l'Éternel va te ramener de là. Si tu es mis dans une bouteille, la bouteille s'éclatera et se reviendra. Si tu es placé sous la main, tu reviendras de la main. Si tu es placé dans la réunion des sorciers, tu reviendras de là cette nuit. Aide-moi à dire fortement amen. Dites amen. Alléluia. Amen.
Il est Dieu. Nous allons lire dans le livre des Psaumes. Psaume 41, le verset 6. Psaume numéro 46, le verset 6. Alors nous lisons dans les psaumes numéro 41, le verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Amen. Quand mourra-t-il? Pour que son nom disparaisse. Ce sont mes ennemis qui méditent ainsi. Alors le méchant, lui, toute sa réflexion, il se pose toujours la question, quand mourras-tu? Quand tes enfants reviennent de l'école, il est très furieux par rapport à cela. Lorsque tu vas au marché et tu reviens sain et sauf, lui, il est contre cela. Lorsque tu voyages et tu reviens en bonne santé, lui, il est toujours furieux contre cela. Lui, il médite et il dit, quand mourra-t-il pour que son nom disparaisse? Celui à qui ce message est adressé, c'est notre aïeul David. David se lamenta entre les mains du méchant ennemi. Oh, amen. Amen. Il s'est vraiment lamenté. Parce qu'il a traversé des difficultés. Quiconque se trouve ici. Et tu traverses une situation pénible. Tu as sondé un peu ta vie. Tu ne commets pas de péché. Tu as une bonne relation avec Dieu. Mais toujours la situation persiste. Et tu n'es toujours pas délivré de la situation. Tu vaincras cette nuit même. Je dis, tu vaincras cette nuit. Alors c'est David qui a prié. Et il a dit que l'Éternel combatte pour moi. C'est ce test-là. Que nous avons sur nos lacostes, nos tricots, que l'Éternel me défende contre mes ennemis et qu'il combatte ceux qui me combattent. Alors, bien-aimés en Christ, nous allons encore prier. Qu'un saint réponde Amen. Partout où vous m'écoutez, le méchant réfléchit. Bien-aimés, c'est vrai qu'un jour nous allons mourir. Mais la mort provenant de l'ennemi déclare cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Que ce soit un complot spirituel comme physique, celui qui ne voudrait pas que tu réussisses ni tes enfants, l'Éternel Dieu vaincra pour toi. Celui-là qui ne voudrait pas que tu te maries, celui qui ne voudrait pas que tu aies d'enfants, tu es à l'étranger mais tu traînes toujours la souffrance. Lorsque j'étais allé en Amérique l'autre fois, Le dimanche, je rendais ministère et j'allais même vers la fin du ministère. Ceux qui nous ont suivis dans le direct sont témoins de ce que je dis. Il y a un frère qui dit qu'il est à l'étranger il y a plusieurs années déjà. Je tendais vers la fin du ministère. L'esprit m'a conduit vers le monsieur. Et je lui ai dit qu'il y a un esprit qui domine cet homme, mais cet esprit n'a pas accepté de libérer cet homme. Et nous sommes même presque à la fin du programme. Le monsieur, il n'est pas élancé comme moi, mais il a plus de forme que moi. Ceux qui nous suivaient dans le direct sont témoins de ce que je dis. J'ai dit que l'Esprit de Dieu délivre cet homme. Le monsieur a reçu une forte délivrance. Alléluia. Amen.
On l'a conduit et j'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, il est bien sûr en Amérique, mais son âme est au pays. Il est lié et son âme se trouve au pays. Que Dieu le délivre. Et il dit, c'est vrai, sans mentir. Il est à l'étranger en Amérique. Les droits, mais que vous faites un petit peu de temps, vous avez dit que 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 vous avez dit combattra pour toi, Seigneur. Jésus combattra pour toi, Seigneur. Amen. Reprends fortement. Amen. Et effectivement, après la délivrance du monsieur, lorsqu'il a pris la parole, il disait qu'il est en Amérique il y a plus de 21 ans déjà. Et il est toujours dans la souffrance. Plus rien ne marche dans sa vie. Et 7 fois de suite, il a été opéré du côté droit. Et 7 fois encore, il a été opéré du côté gauche. On l'a dit que ses nerfs sont en dysfonctionnement et ce sont des nerfs artificiels qui lui ont été placés. Et il dit tout récemment, il a rêvé qu'il était déporté au village. Il s'est retrouvé au village dans une campagne quelque part et on lui faisait boire du vin de palme. Et lorsqu'il a bu ce vin de palme là, dans le rêve, il a constaté qu'il avait mouillé son caleçon. Et lorsqu'il s'est réveillé ici, il a constaté effectivement que son caleçon était mouillé. Il a mouillé le lit ici. C'est vrai qu'il était en Amérique, mais les esprits mauvais ont lié son âme dans son village. Si de tels esprits ont lié ton âme avant que tu ne viennes ici, cette nuit même, le Seigneur combattra pour toi. Quelque chose s'est passé. Je lui ai posé la question, ça va, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Il dit qu'il ne pouvait pas se baisser. Je lui ai demandé de se baisser, je vais voir. Lorsqu'il a essayé de se baisser, il est resté là, il ne pouvait plus aller en bas ni se relever. Et il dit qu'il ne peut plus se relever. Je lui ai imposé la main. J'ai placé la main sur son dos et j'ai prié pour lui. Et soudainement, je lui ai demandé de se baisser, je vais voir. Il s'est baissé, il s'est relevé. Il s'est baissé, il s'est encore relevé. Il s'est baissé, il s'est encore relevé. Je lui ai demandé de marcher, je vais voir. Et il a commencé par courir. Il allait et revenait. Alléluia. Amen. Son épouse a couru de la foule. Son épouse a couru de la foule, elle est venue se coucher et avec ses cheveux, elle a commencé par nettoyer mes pieds. Elle pleurait à chaudes larmes. Car durant plusieurs années, ils ont souffert. C'était la femme qui a pris la parole et elle disait qu'ils ont 7 fils, 7 enfants. Ils sont en Amérique. Et le travail, gagner du travail, c'était avec difficulté. Et c'est elle qui est devenue la responsable de la famille. C'est elle qui supporte et son mari et ses enfants. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment triste. Si tu es dans le monde quelque part et ces serpents à domicile te persécutent, t'empêchant de réussir, Dieu combattra pour toi maintenant même. Dieu combattra pour toi maintenant même. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et on dira
Lève-toi et déclare éternel. Les méchants de tout genre qui se lèvent contre ma vie, m'empêchant de vivre en bonne santé, m'empêchant de prospérer dans mon travail, m'empêchant de jouir de ma vie, spirituellement comme physiquement, touchant de complot élaboré contre ma vie, dans ma famille paternelle comme dans ma famille maternelle, dans ma belle famille, dans notre village, éternel combat. Hey, la bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. Cette bataille qui n'est pas une bataille d'épée ni de fusil. L'Éternel intervient dans la bataille. Le baboka baya Éternel, tout méchant confondu, qui souhaite ma mort, mon rabaissement, ma honte, ma destruction, le Togo, ici au Togo, en Afrique, dans le monde entier, tu es le Dieu des âges. Tu avais agi et tu continues par agir. Combat maintenant. Combat maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Dieu est déjà dans son armure. Je demande aux ouvriers, une fois encore, d'être très vigilants. Parce que Dieu va se manifester puissamment cette nuit. L'Éternel lui-même nous a promis que c'est une prière extraordinaire. Alors cette semaine, toute personne qui t'empêche de jouir de ta vie, Dieu combattra pour toi. Alors s'il te plaît, reprends éternel. Ceux qui se lèvent contre ma vie, contre la vie de mon épouse et de mes enfants, contre mon travail, les biens matériels que tu m'as donnés, les méchants de tout genre qui se lèvent contre ma vie,
Ceux qui se lèvent contre mon adoration de Dieu, m'empêchant de bien finir spirituellement comme physiquement. Éternel combat, la bataille s'enclenche. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Que tout le monde m'écoute. Écoutez. Nous avons prié au nom de Jésus. Un mardi soir, j'étais venu pour diriger la prière de 17h à 18h. Ce n'était pas la grande séance, c'était les jours ordinaires. Le monsieur est dirigeant serviteur dans une église charismatique. Son fils et son épouse étaient malades. Il les a amenés à l'hôpital en vain, étant dépassé, il les a amenés dans le camp ici. J'ai commencé par rendre ministère et l'esprit m'a conduit. La dame a reçu une forte délivrance. Et j'ai dit, cette femme-là, l'origine de sa souffrance, c'est un proche à elle. L'esprit m'a poussé. Je lui ai posé la question à savoir si son épouse, si son mari est là. Elle a répondu oui. Nous avions clôturé le programme. J'ai appelé le monsieur, je l'ai posé la question. Je lui ai dit, tu sais quelque chose. J'ai été clair avec lui, je lui ai dit, tu sais quelque chose par rapport à la maladie de ta femme. Et il a répondu, oui. Et le monsieur me dit que ce sont ces démons qui ont saisi la femme et l'enfant et les ont placés dans un arbre. Mais le monsieur lui-même, il est encore là à les amener à l'hôpital, à dépenser l'argent à l'hôpital. Si encore, il est dirigeant dans une église. Imagine un peu quelqu'un qui traite comme cela spirituellement son épouse légitime. Imaginez comment il traiterait les autres personnes de son église. Nous n'allons pas élever les sorciers dans l'église. Mais s'il y a quelqu'un contre toi dans l'église et la personne dit que toi et tes enfants vous ne réussirez jamais, Dieu combattra pour toi.
Alors si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, dites éternel. Dans notre église, les méchants de tout genre qui tiennent des réunions contre moi, contre mon épouse et mes enfants, si vraiment tu es Dieu, combat pour moi cette nuit. Les méchants de tout genre, les méchants de tout genre, dans mon église, qui souhaite ma mort, mon rabaissement, ma honte, mon humiliation. Éternel combat, 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 nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Tu verras les gens qui vont bien réussir leur cérémonie de mariage. Mais après cela, il y a toujours des situations d'infécondité qui s'abattent sur eux. Parce que ces méchants-là sont dans l'église. Les gens ont simplement offert un don dans l'église. Les gens ou certains ont simplement fait un don dans l'église. Et c'est depuis ce temps-là qu'ils ont commencé par se rabaisser jusqu'à présent. Il y en a qui ont des dons spirituels, des talents spirituels. Tu recevais des révélations. Tu recevais des paroles de connaissance. Et ce que tu dis dans l'église, c'est exactement ce qui s'accomplit. Et actuellement, ils ont complètement désactivé tes dons et talents. Une bataille va s'enclencher. Dieu a béni certaines personnes. Le sorcier, dès qu'il te voit, il voit aussi déjà ton avenir. Toi qui étais riche aujourd'hui, tu traînes rien que la souffrance, rien que la misère. Tes bénédictions vont revenir. Tes bénédictions vont revenir. Alors répète avec moi, Éternel. Les bonnes choses avec lesquelles tu m'as béni. La position sociale que tu m'as accordée. Spirituellement comme physiquement. Ceux qui sont dans les réunions. Elles ne veulent pas voir ni entendre. Éternel combat et restitue-moi mes bénédictions. Restitue-moi mes bénédictions. Toi, tu devrais te marier depuis très longtemps. Mais il t'empêche de te marier. Il t'empêche d'avoir d'enfants. Il t'empêche d'avoir la bénédiction. Le ciel combatte pour toi. Bataille en cours spirituel. Maintenant, maintenant. Bataille en cours.
Jésus. Nous avons crié au nom de Jésus-Christ. Amen. Répondez Amen. Amen. Répondez Amen, s'il vous plaît. Déclare éternel. Toute maladie confondue qui se trouve dans mon corps, dans le corps de mon épouse et de mes enfants, Jésus vient guérir maintenant. Père, viens guérir, viens guérir. Que les maladies s'en aillent. Toute maladie confondue, qu'elle s'en aille. Les maladies dans le sang, dans les nerfs, de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, Jésus, guéris-moi. Père, guéris mon corps. Dans mes os, dans mes nerfs et veines, dans mes muscles, Père céleste, guéris. Père de David, guéris. Tout puissant, guéris. Guéris toute personne confondue. Toute personne qui nous écoute à travers le monde entier. Que Jésus les guérisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Répondez Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Levons nos deux mains. L'Esprit de Dieu va se manifester. Shabraya. Mokotomba. Masutabraya. Valorinda baskatalabaya. Oh Jesus. Borakembayando. La puissance de Dieu est descendue. Elle va délivrer l'âme de toute personne que ces serpents à domicile ont saisi. Ils vous ont asservi. Je venais de le dire qu'un monsieur dit qu'il a simplement vu dans le rêve qu'on lui faisait boire du vin de palme. Et dans le rêve, il a constaté qu'il avait mouillé son lit. Et effectivement, lorsqu'il s'est réveillé, il a constaté que son lit était mouillé. Ce qui veut dire que son âme est saisie. De même, ils ont saisi ton âme durant plusieurs années. Bien que tu sois vivant, ton âme se trouve entre leurs mains. La puissance de Dieu est descendue. Elle est allée dans la réunion des sorciers à travers le monde entier. Une forte bataille s'enclenche. Que ton âme revienne maintenant. Saint-Esprit, agis maintenant. Baroka Bayande. Délivre cette femme. Délivre cet homme. Délivre ce genou. Agis maintenant. Libère. Basorianda. Eux-mêmes sont à l'origine de ta chute conjugale. Mais ils sont en train de combattre encore. Si Dieu veut révéler qu'il est vraiment le guerrier, il combat maintenant. Il combat. Il combat. Il combat. Il combat. Rabakatambayando. Une forte bataille est en cours. Une bataille qui n'est pas une bataille d'épée ni de fusil naturel. Ils t'empêchent d'enfanter. Ils ont menti. Sors du milieu des inféconds. Sors du milieu des inféconds. Reçois ton fils. Maintenant même. Reçois-le. Reçois-le. Tout genre d'esprit qui ne voudrait pas te voir porter un enfant. Ils ont menti. L'Éternel Dieu te donne un enfant. Basorianda baskata yaka. Rabakatambo. Maintenant même. Maintenant même. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu se manifeste. Ils ont transformé certaines personnes en chèvres.
en porc. Ils t'ont encordé dans la réunion des sorciers, voulant manger ta chair. Le livre d'Ésaïe déclare : ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Et toi, sors de la réunion des sorciers. Maintenant même, sors du milieu d'eux. Saint-Esprit agit. Bakotomba. Rabayaka, Bokotoroboya, Rendaba, la puissance de Dieu est en train de délivrer. Elle libère. Partout où tu es, reçois ta délivrance. Partout où tu es sur cette terre, reçois ta libération. Makotomba. Vous qui êtes bénis de Dieu, ils ont arraché vos bénédictions. À la place de la bénédiction, tu es devenu une personne pauvre, extrêmement pauvre. Eux-mêmes sont en train de se moquer de toi. Que le Saint-Esprit te délivre. Sors d'un lien maintenant. Le jour de ta bénédiction s'est levé. Ils t'ont poussé dans la dette. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. L'Éternel te libère maintenant de la dette. Sors de la dette maintenant. Sors de la dette. Sors de la dette. Dieu te libère. Dans ta maison. Dans ton service. Dans ton quartier. Dans ton marché. Que ton histoire change maintenant. Dans le nom de Jésus. Ronda baikata la baya. Tout ce que quelqu'un cherche, Jésus vous les donne. Que Jésus vous les donne. Au nom de Jésus. La victoire intègre vos vies. Une minute, nous allons encore prier. Il y a certains esprits qui sont appelés esprits de domination. Et ce sont ces esprits-là qui dominent le monde. Et c'est la puissance des cultes secrets. Et ils disent, le service dans lequel tu es, si tu ne fais pas partie de leur club, jamais tu ne pourras évoluer. Mais toi et moi, nous allons évoluer. Alors déclare Éternel, toute puissance des cultes secrets, au nom de Jésus, les esprits qui dominent le monde, et ils disent que si on ne revient pas se prosterner à eux, jamais on ne pourra évoluer. Combat et écrase-les maintenant. Combat. Écrase-les. Disperse ces esprits. Invoque le feu sur eux. Réprimande les. Dans le nom de Jésus. Tout genre d'esprit. Ici au Togo. En Afrique. Et dans le monde entier. Les esprits de domination. Qui arrache le droit de l'homme. Qui domine l'homme. Qui domine l'homme. Éternel des armées. Dans les quartiers. Dans les villages actifs. Dans les marchés. Dans les écoles. Je les écrase maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu. Viens accorder la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aidez-moi à dire Amen. Amen. Peuple précieux, dites Amen. Il y en a parmi vous.
les dons excellents que Dieu a mis en vous afin que vous puissiez le servir avec les sorciers ou ces sorciers des églises vous les ont arrachés. Alors j'envoie le Saint-Esprit que ton don s'active. Le don de chancre que Dieu t'a donné, que ton don s'active. Le don d'évangélisation, que ce don-là s'active. Le don des paroles de connaissance que tu as, que Dieu active à nouveau ce don en toi. Ton don de prophétie, que ce don s'active à nouveau partout où tu es dans le monde. Et Dieu vous a donné des talents spirituels. Tu fais des rêves qui s'accomplissent. Tu as des visions. Tu reçois des révélations. Mais maintenant même, ces dons ont disparu de toi. Certains d'entre vous, Dieu veut vous joindre, il veut vous utiliser. Mais ces esprits-là ont couvert vos onctions, vos dons. Que ton onction s'active. Que ton onction s'active. Reçois cette onction. Maintenant même. Que l'onction s'active. Qu'elle s'active. Des dons spirituels. Les dons de guérison. Les dons des paroles de connaissance. Après ce réveil spirituel, Dieu veut vous utiliser pour détruire le royaume de Satan. Dieu va vous utiliser dans les quartiers. Les douhommes. Dans les villages et villes, les dans les églises, femme, dans les maisons, les soukoumes, dans les écoles et universités, recevez l'onction et allez écraser les choses. Crois, recevez une nouvelle onction. Recevez-la. Recevez-la. L'onction qui accorde la multiplication des fidèles dans l'église. L'onction qui accorde la multiplication des âmes. Cette onction est descendue. Maintenant même. Recevez-la. 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 L'onction de justice. L'onction de piété. L'onction de fidélité. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez-la. Brakatambayando. Il y a une onction. Et lorsqu'ils vont te voir, en même temps, ils auront peur. Tu n'es plus un sorcier ou un animal que les sorciers peuvent consommer. Que l'onction descende sur toi là où tu es. Que la mort vous soit transformée en vie. Que Jésus vous guérisse. Le cancer, qu'il disparaisse de ton corps. L'hépatite, qu'il disparaisse de vos corps. Le VIH, sida, que cette maladie disparaisse de ton corps. Le gros cœur, Jésus te guérit de cette maladie. Ceux qui sont paralysés dans le camp, ceux qui sont paralysés dans les chambres, dans les maisons, dans les pays Afrique de l'Occident, dans les pays de l'Afrique, recevez la guérison maintenant. L'impuissance masculine,
Jésus vous guérit de cette maladie. L'hémiplégie. Jésus vous en guérit. La cécité. Le mutisme. L'épilepsie. Jésus vous guérit de ces maladies. Jésus vous guérit de ces maladies. Dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je prie maintenant. Dans vos maisons, recevez la victoire. Dans vos services, recevez la victoire. Dans vos foyers conjugaux, recevez la victoire. Dans la vie de vos enfants, recevez la victoire. Partout où vous êtes, ici au Togo, en Afrique, dans le monde entier, et vous m'écoutez, ce miracle s'accomplit dans votre vie. Se sont levés contre quelqu'un. La personne n'est pas ici. La personne est en train de nous suivre dans le direct. Leur idée c'est que ils doivent te tuer. Mais je prophétise sur toi. Ils peuvent tuer les gens. Mais toi, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Et tu prospéreras à tous égards. Partout où tu es, reçois la victoire. Que toute personne confondue reçoive sa guérison. Et je demande la paix. Spécialement pour le Togo, pour l'Afrique, et pour le monde entier. Les pays dans lesquels il y a effusion de sang, il y a des troubles. Que la paix aille dans ces lieux. Je demande la grâce divine qu'elle règne sur le monde entier. Que l'Éternel possède tous les cœurs. Le cœur des présidents, le cœur des ministres, Éternel, les préfets, les maires, leur cœur, le cœur des soldats, Éternel Dieu, je prie maintenant, je demande à ce que les cœurs désormais t'appartiennent et que tout le monde prospère. S'il vous plaît, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette nuit est une nuit de victoire. Mes mamans de ce côté n'ont pas répondu amen. Je dis cette nuit est une nuit de victoire. Cette nuit Dieu a vaincu dans ta vie. Partout où tu te trouves sur cette terre, la victoire est ton partage. La victoire est ton partage. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Tout ce que quelqu'un cherche avant d'être ici, ce n'est pas moi, Noumovi, qui le fait. Mais Jésus, le fils de David, le Seigneur, celui qui est le sauveur, tu ne repartiras pas le même. Avec Jésus ou grâce à Jésus, ton histoire changera. Ton histoire changera. Ton histoire changera. Alléluia. Amen. Il y a une fille ici. On a déjà payé sa dot. Tout a été payé. Maintenant, les membres de sa propre famille se sont levés contre le mariage. Et actuellement, il y a des troubles de mésentente entre elle et son mari au point où son fiancé est en train d'avoir déjà des remords. Ils disent que ce mariage-là ne sera pas célébré. Ce sont les membres de la famille de cette fille-là même qui se sont levés contre elle. Le jour où sa dot a été payée, la même nuit, un combat s'est engagé. Mais Dieu a porté son armure à cause de cette fille. Alors partout où elle est,
que le Saint-Esprit me la localise. Amenez-les-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un vendait correctement les choses. Mais ils sont allés déféquer au lieu de son étalage. Et depuis ce jour-là, elle a connu une chute dans son petit commerce. Ceux-là qui sont allés déféquer à l'endroit où elle fait son étalage, Dieu est en train de combattre pour elle. Ces personnes-là, elles-mêmes viendront confesser que c'était eux qui étaient à l'origine de cet acte. Dieu combat pour cette femme. Dieu combat pour cette femme. Dieu combat pour cette femme. Dans le nom de Jésus. Amen. Répondez. Amen. Partout où tu es, yes, le Jésus t'accorde la victoire. Amen. Que les saints disent amen. Amen. Répondez amen. Amen. Dans vos marchés, amen. Dans vos services, amen. Dans vos quartiers, amen. Dieu dit qu'il fera quelque chose amen. Pour susciter la jalousie des païens. Amen. Et ceux qui n'aimaient jamais se convertir, amen. Par cela, ils vont se convertir. Et partout où tu es dans ce monde, à travers toi, les gens vont se convertir. À travers toi, les gens vont se convertir. À travers toi, les gens vont se convertir. Réponds plus fort. Amen. Aujourd'hui, tu n'es pas paresseux. Mais puisqu'ils ont arraché tes bénédictions de tes mains, tu travailles plus que toute autre personne. Mais c'est toi qui traînes toujours la misère, la pauvreté. La bataille s'enclenche. Maintenant même. L'Éternel te restitue ta bénédiction. Il 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 te restitue ta bénédiction. Partout où tu es, tu vaincras. Oh, amen. Amen. C'est pourquoi il y a une chanson des âges qui dit: nous vaincrons certainement. Nous sommes les fils du vainqueur. Nous vaincrons certainement. Nous sommes les fils du vainqueur. Puisque Jésus. Yeah.
Hallelujah!
Que quelqu'un déclare, j'ai vaincu. Une deuxième fois, j'ai vaincu au nom de Jésus. Une troisième fois, j'ai vaincu au nom de Jésus. Que cette prophétie s'accomplisse dans votre vie. Vous avez vaincu au nom de Jésus. Jésus a vaincu la mort dans votre vie. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu les persécutions dans votre vie. Il a vaincu la pauvreté dans votre vie. Il a vaincu les sorciers dans votre vie. Toi-même, ton épouse et tes enfants, vous êtes des vainqueurs. Si quelqu'un pense dans la famille, il a l'habitude de détruire les gens. Et il va aussi te détruire. Lui-même sera détruit. Au nom de Jésus. Aide-moi à dire Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les frères et sœurs qui sont à l'étranger et qui n'arrivent toujours pas à établir leur pièce d'identité, qui n'arrivent toujours pas à gagner du travail, qui n'arrivent toujours pas à se marier, qui n'arrivent toujours pas à enfanter, eux qui souffrent dans leur vie conjugale. Vous nous suivez, vous nous écoutez à travers le monde entier. Vous êtes même fatigué de la vie à cause de vos difficultés que vous traversez. Jésus, celui qui accorde la victoire dans ce camp, vous a également accordé la victoire. Je prie pour vous. Vous n'allez pas revenir au pays étant des dépouilles mortelles. Vous n'allez pas revenir au pays avec des pleurs. Vous reviendrez au pays avec bénédiction et joie. Partout où vous êtes et vous m'écoutez, soyez prospères à tous égards. Dans le nom de Jésus. De même, je prie. La diaspora togolaise qui travaille pour Dieu à l'étranger et qui n'arrivent plus à comprendre rien dans leur ministère, que l'Éternel les réaffermisse, qu'il vous soigne, qu'il vous utilise, et que vous travaillez pour le Seigneur, pour le salut des âmes. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a son proche à l'étranger. Ce proche-là, ce proche-là qui est à l'étranger promet toujours te faire du bien. Mais il y a toujours un démon qui constitue obstacle. Et cette personne-là n'arrive toujours pas à exécuter sa promesse dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit qui t'empêchait, le Seigneur est en train d'enlever cet esprit-là. Et cette personne-là t'appellera pour te faire du bien de façon brusque. Amen. Cette nuit même, tu recevras un appel téléphonique de la part de cette personne. Le bien qu'il a promis faire dans ta vie, il te le fera.
Quelqu'un a également soumis ses dossiers quelque part. Mais les sorciers sont allés voiler son dossier. Ils ont vu ou vérifié le dossier des autres, mais ils n'arrivent toujours pas à voir toi tes dossiers. Mais ton dossier est le plus meilleur des autres. Pendant que je parle, le ciel dévoile ton dossier. Amen. Jusqu'au lundi prochain, tu seras appelé pour le travail. Le mois prochain, tu reviendras ici pour ton témoignage. Jusqu'au lundi prochain, tu seras appelé pour le travail. Le mois prochain, tu reviendras ici pour ton témoignage. J'envoie l'Esprit de Dieu de délivrer cette personne. Ils ont placé des bagues d'alliance, des bagues de mariage à certaines filles dans la mer. La promesse que cet esprit, ce démon leur a faite, c'est qu'elles ne pourront jamais se marier dans le monde physique. Voilà. Les anges de Dieu qui sont des sous-marins, qu'ils aillent sous la mer maintenant. Et qu'ils aillent briser cette alliance. Qu'ils enlèvent cette bague de ton doigt. Sors de la mer et reviens. Jeune fille, sors de la mer et reviens. La bataille s'enclenche dans la mer. Rabayanda. Une forte bataille s'enclenche dans la mer. Le mariage qui a été célébré dans la mer. Mariage des sirènes des eaux. Sirènes des eaux. Ces sirènes-là qui vous ont épousé spirituellement. La bataille s'enclenche dans la mer. Reviens, reviens. Maintenant même. Reviens. Le Saint-Esprit te ramène. Il y a une bataille en cours dans la mer. La bataille est tellement dangereuse. Cette bataille est dangereuse. C'est une forte bataille. C'est une forte bataille. Cette bataille est en cours dans la mer. La cage dans laquelle ils t'ont placé. Sors de cette cage. Sors de cette cage. Plie bagage et reviens. Maintenant même. Bataille en cours. Partout où tu te trouves sur cette terre. Les sirènes t'ont épousé dans la mer. Sors de la mer et reviens. Il y a une forte bataille qui est en cours. Dans la mer. Maintenant même. Le ciel intervient dans cette bataille. Cette bataille qui n'est pas une. Ok. Elle s'est mariée spirituellement avant de se marier encore physiquement. Oui. Elle a cette sirène là avant de se marier physiquement. Alors l'esprit est en train de bouleverser actuellement son foyer conjugal. Cet esprit est en train de menacer actuellement son vent de se marier physiquement. Alors l'esprit est en train de bouleverser actuellement. Le Saint-Esprit brise ce royaume dans la mer. Le mariage qui a lieu dans la mer. Ce qui cause des querelles entre ton mari et toi. Ton mari n'est pas un mauvais type. Toi-même, tu n'es pas aussi une mauvaise femme. Mais c'est la sirène qui est en train de semer des troubles entre vous. La bataille s'enclenche dans la mer. Sors de là et reviens. Reviens maintenant. Reviens. 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 Bon.
Reviens. Bon. Reviens. Le yes, come. Au nom de Jésus. Amen. Répondez amen. Dites plus fort amen. Amen. Peuple béni, dites amen. Amen. Que le monde entier dise amen. Amen. Que toutes les planètes disent amen. Cette nuit, que les foyers conjugaux aient la paix. Jeune fille ait la paix. Il y a certaines personnes. Toi, tu ne fais que manger la viande dans tes rêves. Tu manges toujours dans tes rêves. Ils veulent t'initier à la sorcellerie. Toi qui manges dans tes rêves, regarde-moi dans les yeux. Je ne peux pas venir là où tu es pour t'imposer la main. Mais fais comme ceci. Je ne demande pas à tout le monde de le faire, mais celui qui mange dans le rêve, Saint-Esprit, cette femme qu'ils veulent initier à la sorcellerie, ce qui fait qu'elle mange toujours dans ses rêves, cet homme, cette fille, maintenant même, Saint-Esprit, combat, combat, dans la réunion des sorciers, la bataille s'enclenche, sors du milieu des sorciers, sors, il y a du tumulte en cours, tu manges dans les rêves, ils veulent t'initier dans ce club là, jeune homme, sors du milieu d'eux. Jeune fille, sors du milieu d'eux. Homme, sors du milieu des sorciers. Recevez la délivrance de leurs mains. Recevez la libération de leurs mains. Dans le nom de Jésus. La bataille est en cours dans la réunion. Écoutez-moi. Si tu manges dans le rêve, très bientôt, les gens vont commencer par te voir dans leurs rêves comme quoi tu es en train de les faire du mal. Car les sorciers sont en train de t'introduire dans leur club. Eh bien, ton âme n'est pas, n'accepte pas cela. C'est ce qui fait que certaines personnes ont des bouffées de chaleur dans leur corps parce que ton âme n'accepte pas être initiée à la sorcellerie. Carrément, certaines personnes, il y a quelque chose qui circule dans leur corps parce que ce que tu as mangé dans le rêve est devenu un esprit qui circule dans ton corps. J'envoie la puissance de Dieu dans la réunion des sorciers. Que ton âme revienne. 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 Dans le nom de Jésus. Tu ne mangeras plus la viande dans tes rêves. Ce que tu avais mangé, vomis-le au nom de Jésus. Il y en a de ces choses qui circulent dans ton corps. Qu'elles disparaissent au nom de Jésus. Amen. Répondez-moi, amen. Les maisons dans lesquelles se trouvent les sorciers, ils sont en train d'utiliser vos enfants. Déclare éternel. Tout genre d'esprit qui ont saisi les enfants que tu m'as donné pour bénédiction. Et ils vont se lever contre mes enfants. Le feu consume ces esprits. Les enfants avec lesquels tu m'as béni. Écoutez-moi s'il vous plaît.
Ne vous fâchez pas contre moi, s'il vous plaît. Zandaya. Très bientôt. Sukule gatoji. Ce serait la rentrée scolaire. Wamidotom. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous allons confier nos enfants à Dieu. Et nous allons prier pour Dieu. Levez-vous et dites Éternel. Nous confions nos enfants à Dieu. Très bientôt la rentrée scolaire. Mon enfant sera le génie dans l'école. La crainte de Dieu. La vérité, la fidélité serait dans la vie de nos enfants. Tout complot confondu que l'ennemi aurait élaboré spirituellement comme physiquement, que Jésus les domine. Priez maintenant. Appelle ou cite le nom de tes enfants. Que Dieu mette en eux sa crainte et sa vérité. L'esprit de fidélité et de sagesse, d'intelligence. Qu'il l'introduise en tes enfants. Dans le nom de Jésus. Marando Katarabaya. Reketembazeriandaya. Okotomba Zeka Marababo Shenda Barabaya Reketemba Boria Kata. Masuka Baya Norobozata Gloria Masuka Baramabo. Mama Boria Basoka Barabaya. She bere Baboria Barababasa. Bakatabaya. Mama Boka Barabaya. Kotom Bazerian Dabaika. Borobore Baboria and Dabaya. Maketem Bazerian Daya. We Mama Baboria Barabaya. Makarababo Shandere Babaya. Borobore Babandarabaset. Nous avons prié au nom de Jésus. Que Amen. Nos enfants prospèrent à tous égards. Tous les enfants que l'ennemi a traînés dans la délinquance juvénile, que Jésus ramène ses enfants. Si quelqu'un m'écoute quelque part et reconnaît que Satan a déjà volé son enfant, que Jésus te le ramène. Dites Amen. Amen. Assoyez-vous s'il vous plaît. Je vais saisir de l'opportunité et prier tous les parents. Introduisons Jésus dans la vie de nos enfants. Premièrement, nous-mêmes aimons Dieu. Que ton enfant sache que ma maman ne cautionne pas le mal. Que ta maman découvre ou que ton enfant découvre que sa maman craint vraiment Dieu. La vie que tu mènes à la maison, que ton enfant découvre, qu'il sache que toi qui es son papa génétique, tu crains vraiment Dieu. Et conduisez vos enfants et introduisez-les en Jésus. Les gens peuvent t'injurier comme quoi toi et tes enfants vous êtes devenus des souris de l'église. Je m'en vais te dire que les enfants qui ont accepté être en Jésus et avec leurs deux pieds ou totalement en Jésus, lorsqu'ils acceptent être vraiment en Jésus, toi qui es le parent, tu as la tranquillité, tu as la paix du cœur. Amen. Répondez Amen. L'autre fois, lorsque j'étais en Amérique, les trois endroits où j'ai rendu ministère,
Après le programme, je rencontre la diaspora togolaise. Et je leur dis souvent, je n'ai rien à vous donner. L'on ne peut donner que ce qu'il a. Moi, je connais seulement Jésus-Christ. Alors, je demande à ce que vous aussi, vous ayez ce Jésus-là. Eux-mêmes et leurs enfants qu'ils maintiennent Jésus. Cet homme qu'on appelle Jésus, lorsqu'il te conduit dans ton voyage, jamais tu ne reviendras avec honte. Si même il connaissait Jésus, qu'il s'attache davantage à Jésus. Si quelqu'un ne connaissait pas Jésus, qu'il fasse un effort pour recevoir Jésus et qu'il prenne soin de Jésus. Qu'ils mettent leurs enfants en Jésus. Et que les enfants appartiennent totalement à Dieu. Et si les enfants sont en Dieu, Satan ne vaincra jamais. Vous pouvez répondre Amen s'il vous plaît. Alors quiconque continue par m'écouter, nous-mêmes, nos enfants, mettons-les en Jésus. Et Jésus nous conduira de victoire en victoire. Nous sommes dans certains jours. Lorsqu'on va chercher les meilleurs pilotes, on les trouve parmi les chrétiens. Les grands concours qui seront lancés sur le plan mondial, la jalousie qui m'anime, c'est que après ce concours-là, ce sont les chrétiens qui seront les premiers des cendres. Alors, quiconque m'écoute, ma jalousie, c'est que l'heure a sonné. Et nous allons prouver au monde que ce Jésus-là que nous avons reçu, on nous dit que nous deviendrons grands sur le monde. Nous deviendrons supérieurs dans le monde. Cet esprit de supériorité, de victoire et d'intelligence qu'il vienne dans votre vie. Amen. Peuple précieux, dites Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai créé une école du primaire jusqu'au lycée. Nous avons également l'internat. Amen. Amen. Nous enseignons la parole de Dieu, nous dirigeons les enfants dans la parole de Dieu et dans la prière. Et si quelqu'un voudrait bien inscrire son enfant à l'internat, Jésus est la solution. La personne. Alors, les matins jusqu'à midi, le secrétaire est toujours dans l'école. Et les soirs également, de 14h30 jusqu'à 17h, le secrétaire est toujours là pour recevoir les inscriptions. Du lundi jusqu'au vendredi. Disons Amen. Secondo. Cette année, nous sommes en train d'introduire l'enseignement technique au sein de l'école. Alléluia. Amen. G1, G2, G3. Et nous commençons avec les séries G1, G2 et G3. Ayez mis à former des vies aucun ani de vie ni à nous avant mau non blanc caca non ben yo aouna la gloire Yesuta yemie la fille. Alors nous allons former vraiment des enfants qui craignent Dieu et à la fin de leur discours ils diront c'est grâce à Jésus que nous sommes ici. Amen. Dites Amen. Amen. Répondez Amen. Alors Dieu doit nous faire du bien afin que nous puissions marquer positivement le monde. Alors en allant dans l'école, il y a un pont.
Il y a des villages au-delà de ce pont-là qui sont là ou bien qui existent même avant moi, ma naissance. Et ce sont des bois qu'ils placent sur la rivière afin de pouvoir la traverser. Alors lorsque le fleuve ou la rivière est accru, les gens ne peuvent plus traverser la rivière la nuit. Jésus est la solution. Et lorsque j'ai créé l'école derrière la rivière, c'est moi seul qui ai fait le pont sur la rivière et j'ai demandé à ce qu'on écrive sur le pont, pont Jésus est la solution. Amen. Jésus est la solution. Et lorsque les futures générations vont venir, ils vont vraiment découvrir que leurs parents avaient servi Satan durant des décennies. Mais c'est Jésus qui est arrivé et ils ont obtenu ce pont-là. Jésus, lui, partout où il va, il fait du bien. Quiconque l'adore doit avancer. Je prophétise, vous avancerez toujours. Répondez, amen. Répondez plus fort, amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous allons recevoir quelques témoignages. Alors, partout où tu es, tu étais malade avant de venir dans le temple. Tout de suite, nous venons de prier, essaie de t'examiner. Tu avais peut-être une tumeur dans ton crâne, une boule, une tumeur dans tes seins, des fibromes, des kystes. Tu souffrais d'une quelconque maladie que je ne peux citer. Tout de suite après la prière, tu as constaté que le Seigneur t'a complètement guéri. N'aie pas honte, lève-toi et viens vers nous. Nous allons recevoir rapidement ton témoignage. Tu étais malade et tu as constaté tout de suite dans la prière que le Seigneur t'a guéri. Lève-toi et viens, nous allons recevoir ton témoignage. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Fifi, non, pas 12 ans. 12 ans. If ya, Kemi le dog, et so Kemi dog, wherever ya, you want money that's rubber dolly, let him young Kuvia, Mponon de, non, ma do, et ta for bleu, black ta complexi, ma make a donna go noon and equa, et les son pepe vesti when you never call no dom, let call no dom, bam do to Avinji, et pom Kuvi, Kuvi, by name back ponon, et bang by the dog, bang back ponon, what to care? Ever, by the dog, but I'm the dog, but I come to your son, you know, my boo. Amen. No, my book, but from Hunkuvi, but son of our for you, I mean, continue the quick and baby, I equal, and they could be there, or what to throw there. Man, let me conti, but I know our for our open doctor of your way. One day could go back, blin and mammy, poor and baby, I want on your coup. Mimtewa fo nati nenia amereso vo debi akpelintinya amajo be sonku enwa bati nenia nembe ma pa nde gbleneme vo ebi ake kanji be nonu abua ne ngba ibe ma we ama ula we la we goto ma badi da sele to ajile yesu be coming bene okay no blanya
Alors, la sœur dit que depuis qu'elle avait 4 ans, pour ne pas dire il y a déjà 12 ans, elle était malade lorsqu'on l'a amenée à l'hôpital. On lui a fait une injection et après cette injection-là, le pied qui avait reçu la piqûre est devenu tout raide et ne pouvait plus faire de mouvement, ne pouvait plus se plier. Elle dit à plusieurs reprises, elle est allée à l'hôpital pour des soins, pour que ce mal soit corrigé, mais toujours, elle n'a pas eu de suite favorable. Et toutes ces personnes-là qui ont toujours décidé l'aider dans ce problème-là finissent par démissionner. Et hier, elle était arrivée grâce à l'une de ses tantes. Elle était là, elle suivait la prière et elle a vu dans la prière qu'il y avait une femme qui était venue vers elle. Elle était habillée en bleu et elle marchait exactement comme elle. Elle n'a rien compris, elle a commencé par couler les larmes. Aujourd'hui aussi, elle a vu cette même femme dans la prière qui est venue vers elle et qui marchait toujours comme elle. Et elle a commencé par invoquer le feu sur cette femme. Et brusquement, elle a constaté que la femme a disparu devant elle et elle est convaincue que puisqu'aujourd'hui cette femme a disparu, que ce qui reste pour qu'elle puisse suivre le traitement et que le mal soit corrigé, elle est convaincue que ce serait fait pour que le mal soit corrigé dans sa vie. Quelqu'un acclame? Yeah. Enui kemia no viaji be agun anyi be ebe nyonu ake pona le ke pona enu enu aye nya be le josopena ebe nu metotoa. OK, la sœur dit que la façon dont elle voit fréquemment cette femme là, elle est convaincue que c'est elle qui est à l'origine de son problème, de son mal. Tali ye ba yo zo kone eji les anya me yo bua nya be ma wa vana. Et la façon dont elle a invoqué le feu sur cette femme cette nuit et elle a disparu, elle est convaincue que Dieu a combattu pour elle. Elle attend rien que son témoignage. Nous pouvons acclamer Jésus pour la vie de la sœur. Amen. Amen. Parole de connaissance qui est tombée. Parole de connaissance qui est tombée na. Amélie do fiancé au vanier milo fiancé avec funwa mais monouye yesu do djine a enye ou kentim le blonde ne ke mi jo les séances passées a ebe mardi ke suivra ye mon fiancé a ke wo deux semaines pepepe a fiancé ye eni a mtoa di vivi kaka deux mois après ke mwem te hui ye ke wo deux semaines quoi. Oui, funwa matin wa nyem nyom fon kwa ku viore le dombe nyen gba yi. Fiancé amo, va don sin do kwenye. Yem ve do funu kwa to bo suo pwele. Et balcon anti o we votre balcon vido on koni. To bo suo le di le ke gbembe o le ke to bo suo le fiema le nkurentia. Ele sigbele ke o son sigbele ke o la trop peinturé. E gli anti ku do mava kwa e mi o nyedo balcon ame. O soa fokpa o nyemi do fokpa di o tro nyemi do tepe a meton o nyemi do tepe a meton kwa me aso a lobe ti e so demain je ne sais pas be so nou be fin do balcon anti intérieur a kudo extérieur a quelqu'un et le simia de godo kudo me ke o peinture kudo mia ke nto papa be won to fanya fanya e la wa tan no ye kwa mou le kponu aka kwa mbe o Yehowa. Kwa juwa ndo pantalon do camise wa mtro do ou lobore de diva do klonu wa yemi onu sene do nyeme kwa mde a ujito aso do akpeteme e da otore te do nsinye kwa em toni da davia le kabe nde kune kwa akpete ya do wabe kome em kwa si iji embe Yesu Kristo nou sem la sinye ova e woke le menya nou seto yoni e huwa mkwe fifi mnyondo kwenye de me ma tonu ya me lave hun do ope. Yen ndo me anke ma wa ma va ndikwe ma o mo alo ni chama ko. Amen. Amen. Yen do wa me kwa. Aha. Mbe so eto ajibe ko. Oh. Mso to ajibe si yem do si mdo e javel kunu ya. Em to lang jikpa e radi divana mle lang me ne ko wo kaka. Mle klomia e mi agbebe ma tutu. Mdo ya subo. Tu la sento. Mu wa. C'est vrai. Pendant 3 heures de temps, parce que j'étais allé là-bas à 9 heures. Que me l'ai pas quoi, mais yo, ma concours média, ouais, tu les vois maintenant. Et le pote, une minute, quoi, mais de mercredi à mai de midi. Il y a trois chez moi, il y a trois. Et n'y a le kemle, le kemi, il y a le dos, il y a le dos, il y a le dos, et n'y avait dit la socou, n'y a eva. A visi, que le ton, le kemi, que un trop bova,
Connaîtra la vente au nom de Jésus. Écoutez-moi. Là où les gens n'arrivent pas à aller, toi tu iras là-bas. Là où les gens ne passent pas, toi tu passeras par là. Nous servons un Dieu vaillant, un Dieu puissant. Il a vaincu plus que tous les autres dieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors la maman donc tient à remercier le Seigneur. Elle dit que la parole de connaissance qui est sortie par rapport au sel qui ont été faits à la déventure de la boutique de quelqu'un, c'est une parole de connaissance qui la concerne. C'est une parole de connaissance qui la concerne parce qu'elle dit, après la séance dernière, elle est retournée à Lomé, elle a ouvert sa boutique et quelques temps plus tard, ou deux semaines plus tard, elle est allée vers la boutique et une matinée lorsqu'elle est allée, elle a constaté que dans le balcon, quelqu'un est allé faire des selles. Et des selles ont été faites en trois différents lieux dans le balcon. Et après cela, elle ne sait pas ce que la personne a utilisé. La personne a peinturé l'intérieur du balcon avec les selles qui ont été faites. Et elle dit qu'elle a prié d'une manière ou d'une autre et elle est rentrée dans la boutique. Elle a pris l'eau du camp de prière qu'elle avait également dans la boutique. Elle a utilisé l'eau de Javel. Et elle a lavé l'intérieur du balcon. Elle dit qu'elle a même passé 3 heures de temps à laver ce balcon-là avant que la parole de connaissance ne sorte encore ce soir ici. Et lorsque cette parole est sortie, elle dit qu'elle a reçu la délivrance. Et elle est convaincue qu'à travers la délivrance qu'elle a reçue aujourd'hui, ceux-là qui sont allés déféquer à l'entrée de sa boutique, dans le balcon de sa boutique, ces personnes-là, le Seigneur ira les combattre un à un. Amen. Amen. Maman, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous devons dire, Jésus le te a dit, n'a te fait. Dans le cas, je suis dans le cas. 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 Je suis dans le No, this is what you plan to do. Church is inviting you. You're not church. You're better. In the church, I'm going to keep you away. I'm not too hard. We're more here alone. Me, I just don't go. Me, church is the kind of neighbor we are. Church, you know, it's only no place somewhere. We don't be around. Come, you know, my wife too. Can you? Church, go. We church is never too relevant. The church is me. We don't do me. Invite us. When we not even the asking yet, do me says. Timba that's why ezikure kanji so then he says me in dey what is ipo you know you conjure wa ma yo wa analyze wa de popo nza ko keke po asu never touch is do mo ya de nyonbu neni sa gbe ma pada lo nde o re ti eji mo ya bla na mo ku dromo o kho azire sire to gome mi ma kho dropo ma mi opo no za ti kere no mo nyen gbe du ti ha no nye ko la gogo ma va du ona la lo me enu o wa hun to talk with draw in jugbro iko ka tutu dogbra kekeke yi nyamo yesu du sino wa de mi ustas in de le capucho me de bonne bonne le capucho me iko ka tutu e kan redimo yesu du
Amen. Alléluia. Amen. La sœur disait donc que depuis son enfance, elle a constaté qu'elle était menacée par un esprit. Alléluia. Amen. Elle voyait qu'elle accouchait dans une rivière. Elle a même donné naissance à une fille dans la rivière. Et après, elle a donné naissance également à un garçon dans la rivière. À l'époque, elle était encore très petite. Elle n'était pas aussi âgée. Ses parents ne fréquentaient aucune église. Et ce que les parents pouvaient faire pour résoudre le problème, eux aussi l'ont fait. Elle dit qu'elle est passée par certaines églises. On a prié avec elle, mais le mal persiste toujours. Elle s'est mariée. Et après avoir donné naissance à un enfant, le mal a encore commencé. Elle voit qu'elle est tombée enceinte et elle a même accouché dans la rivière. Où il y a des esprits qui viennent coucher avec elle. Ce qui a fait que physiquement, elle n'arrive toujours pas à enfanter. Elle dit qu'elle est allée partout. Mais toujours, il n'y a pas de solution. Mais par la grâce de Dieu, Alors, lors de la prière, lorsque je disais qu'il y a certaines femmes ici, ils sont déjà suivis par ces esprits-là avant de se marier. Et ce sont ces esprits-là qui sont à l'origine des mésententes, des querelles entre elles et leur mari. Elle dit qu'effectivement, elle se trouvait dans la situation. Puisqu'elle n'arrivait toujours plus à enfanter après le premier geste, le mari est actuellement en colère et il est en voie d'épouser encore une deuxième femme. Mais après cette parole prophétique, cette parole de connaissance que j'ai prononcée, elle a reçu la délivrance. Et après la délivrance, elle a constaté que le Seigneur l'a restaurée de tous ses maux. Nous pouvons acclamer Jésus pour sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et tout. Et puis, nous avons eu un peu de temps. Deux ans. Et puis, nous avons eu un peu de temps. Et puis, nous avons eu un peu de temps. Et puis, nous avons eu un peu de temps. Et puis, nous avons eu un peu de temps. Et puis, nous avons eu un peu de temps. Et puis, nous avons eu un peu de temps. Et puis, nous avons eu un peu de temps. La home. Il y a quelqu'un de gravifié, vous voyez, et ni un qui est holé finalement. Bon, madame, il y a holé finalement. Holé finalement. Il y a un beau. Il y a un
N'allez-vous pas acclamer Jésus? L'hernie a disparu. Jésus l'a guéri. Si quelqu'un est un enfant de Dieu, qu'il acclame Jésus. Tu peux t'asseoir en acclamant Alléluia. Jésus. Amen. Jésus est le docteur des docteurs. Alors le monsieur donc tient à remercier le Seigneur ce soir. Il dit durant 2 ans, il a traîné une maladie et c'était l'hernie. Il est allé à l'hôpital et après analyse, on a dit qu'il devrait suivre une opération, une intervention chirurgicale qui va coûter 300 000 francs. Et il dit qu'à chaque fois, sa femme l'a conseillé de venir dans le camp ici pour la prière, mais il avait toujours banalisé ce que sa femme disait. Il a l'un de ses frères qui vit en Allemagne, qui était revenu entre-temps, et le frère aussi, il a parlé de ce camp de prière. Il a même conseillé de venir. C'est ce frère-là en question qui lui a donné une somme de 40 000 francs. Elle a demandé de venir pour prier par rapport à ces situations qu'il traverse. Elle lui-même dit qu'il y a déjà 6 mois, il n'a plus obtenu son salaire parce qu'il est le chef chauffeur d'une entreprise. Mais jusque-là, plus rien ne va dans sa vie avant qu'il ne vienne ici. Et ce soir, dans la prière, lorsque l'homme de Dieu a demandé à ce que les malades placent les mains sur leur maladie, il dit que l'hernie avait poussé et était même enflée au niveau de son bas-ventre, au niveau de son sexe. Mais jusqu'à la fin de la prière, il a constaté que l'hernie a totalement disparu, d'où il était enflé. Le Seigneur l'a complètement libéré de cette maladie qu'il a traînée durant 2 ans. Quelqu'un acclame une fois encore plus fort Jésus pour la vie du frère. Il a été vraiment touché par sa guérison. Et il coule même les larmes. Parce que ça l'a étonné. Mais Jésus a vaincu pour toi. Jésus a vaincu pour toi. Regarde-moi. Arrête de pleurer, s'il te plaît. L'émotion a vraiment emporté le monsieur. Il ne pensait pas qu'il pouvait obtenir sa guérison de cette manière. Il coule vraiment les larmes de joie. La grâce de ce monsieur est spéciale. Sa grâce est spéciale. Amen. Amen. Alors tout de suite après ton départ. Amen. Amen. Il a vraiment été touché par sa guérison. Amen. Amen. Il n'arrive même plus à s'exprimer. Nous allons le laisser partir. Quelqu'un acclame Jésus pour sa vie. Alors tu peux acclamer plus fort le Seigneur pour sa vie. Amen. Alors, à cause du temps, nous ne pouvons pas recevoir tous les témoignages. Après ce témoignage-là, nous allons recevoir la sœur en pantalon et les autres peuvent retourner s'asseoir.
Les autres témoignages, allez vous asseoir s'il vous plaît. Alors que les autres aillent s'asseoir et que demain nous puissions écouter vos témoignages. Alléluia. Amen. Mabé moi de juin. Et nous avons dit que deux jours nous avons BPC. Nous faisons matin quoi. Nous faisons élever. Nous faisons élever. Nous avons mis le conduit docteur comme nous avons allé au sport ou à l'entier. Nous avons mis le balai au sport. Nous avons mis le balai au sport. Nous avons mis trois jours quoi à fond ne pouvait être je me trouve quoi dire docteur le tout n'ambe ne ma blable moi nous que le on m'a mis quoi dire de be gbogbo mi be do e quoi mi le gbedo dora di kaka pa nya te fe chami ba de gbura pa ma o ba de declare no be ti o soro nam ko mba le ba de fio be o so chi na we o so chi ri nam ye wa to gbedo dora me to papa we gbedo dora me le radio ji kwa a fo enu a onam tutu gba kwa ye mbeneni tiele na mina nyawa etia maone de noa fio ko magbobe 3 jours après tu quoi tua ko ba de enua ko ba do la fo ya gona biyo afion funam yibo yobe etia we fewa kwa mabe e ba ire afo vegoaji kwa enua ba we kaka ka mbebe kom obe nyema gba ku mo ko mba prevoir be kom no a homelo 3 mo nyema gba te ku mo bo ma jo samonya bo hu ne ma po solution afonya po mama retuna mbe au be vigne nana ke lo mi aye ntie donc en ba samono samwa santana dujiwe dija ke mba ke mba mi le do gbra kwa matin a papa le gbonbe e dan gbogbon le do funa merobe ntif le fion ba kwa jirika pou ko mpo be ndo to la mena ko pou ko deliverance kwa le ke ntif yo na mon kunea enu am ntif fion abuko ze a meja ke papa gba le do gbra be na o so hajiji be nana ba kudo egbesese kudo evangelisation be nana amero be ozi nana jizire ka kwa epo be yesu yodonam ne enye be nye wa yodonam jirika kudo pou mpo be na afo ve gwacha e bebe se se nye mba ke jo kaka mdo afogode na foye evo po nwa kule tole afogode na foye eh parce que nous lekpem nke wa foye o do afogode na ete ete e ya e le nyo afi ya ke mde tu po nwa to ku jere ka ko ku ma tro pa fo nyo ku ati aku agba le do yo agba fi o le funke nwa toa e le sibe tam e dabe nono me voa enni am pobe enni gwa kudo deku wa le tole afuame nke enni 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 gwa kudo deku ah enni enni wa wo enni enni gladja ke tona zoa to la forme afua comme tu nous le wa ma passo yele le faut passo passo mausi oyi egbo a amen. Alors le frère dit qu'il était souffrant avant de venir dans le camp ici. Il y a quelques mois, il a constaté que son pied droit a commencé par s'enfler. Hein? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Eh bien, menye enyé o. Be anyé ele gbon. Abe ye ele gbon. Be to le ba formé. Amen. Amen. Alors depuis quelque temps, il a commencé par développer des douleurs dans son pied droit. Trois jours après, lorsqu'il est allé à l'hôpital, on lui a prescrit des médicaments et on l'a soumis également à des activités sportives. Lorsqu'il est revenu, il a commencé par utiliser les médicaments. Il faisait aussi ses activités sportives, mais quelques temps plus tard, il a constaté que le pied a commencé par s'enfler. Il est allé encore à l'hôpital et c'est là le médecin a été clair avec lui. Mon frère, ce que tu as comme mal, ce n'est pas un mal physique, mais ça a un aspect spirituel. Effectivement, après cela, il a commencé par prier. Dans les prières, il y a eu comme révélation qu'il a marché dans une poudre ensorcelée et c'est par là qu'il a reçu ce sort, cette attaque-là. Et il dit depuis un bon moment, lorsqu'il a commencé par suivre les séances de prière en direct sur la radio JVA, ces prières-là que l'homme de Dieu dirige souvent les dimanches, il a constaté vers la fin que le pied qui s'enflait a formé des boules en dessous et les boules c'était plus tard éclaté et on lui disait que ce sont les effets de cette poudre-là qui sortait par là. Et après cette guérison-là,
Un moment après, il a constaté que son pied gauche a commencé aussi par s'enfler. Le pied était même enflé avant qu'il ne vienne ici. Et lorsqu'il était arrivé, il avait honte. Il avait même porté une chaussette à ce pied-là avant de venir. Et dans la prière, il a constaté tout de suite que quelque chose circulait à travers son corps. Vers la fin, la chose est descendue au niveau de ses pieds et il voyait que les noix de palme et les abeilles sortaient de son pied. Et juste après cela, les douleurs qui traînaient aussi dans le pied, les douleurs ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement guéri ce soir. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie du frère. Depuis matin, je suis en train de me faire des choses. Angola. Angola. Alors, la sœur tient donc à remercier le Seigneur. Elle dit qu'elle est revenue de l'Angola. Et elle dit lorsqu'elle est revenue au Togo, il y a quelque temps, elle a commencé par développer des douleurs au niveau de son bas-ventre. Elle est allée acheter des médicaments qu'elle a pris, mais toujours ça n'allait pas. Et ayant appelé l'une de ses sœurs qui vit en Amérique, la sœur l'a dit de se dépêcher et de venir dans le camp ici. Et elle dit qu'elle a tout fait pour venir dans le camp aujourd'hui même. Et lorsqu'elle était arrivée, elle traînait encore les douleurs dans son corps et surtout au niveau de son ventre avant de venir. Mais tout de suite dans la prière, elle a constaté qu'elle a reçu la délivrance. Et lors de la délivrance, c'est comme si elle était saisie par quelque chose et brusquement, la chose l'a laissée, la chose a quitté son corps. Et en même temps, les douleurs et malaises qu'elle avait avant de venir, les douleurs ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement guérie. Elle se sent complètement libérée de sa maladie. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie de la sœur. Amen. Amen. Oh, mais des coucou, amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Yehuwa maule fo nublani popo ti lolosi do na fo dukwata do jiji na fo dojula nyanyu kakala pol doji no movi bo adenji ji do pleb do dora wona de tome to blada wleti enyi afan keke blato an yide kwasida wleti asik ya fan keke neaji wo de tanya le sakadi afa agbale tanyi bo ke blav vo eto a mesi globe ale jehu a se porte blo esi e mayila nchu ewo achi duko fo gbegbe blo katame ale yu da nchu de kafa wo to gag blobena nyayi plemi la bonamie sebe maule plemi afa tout la so
agbe pe ya na mi afa agbe o na su da se didi no fiu mi fa na do yo katutu ya ira pe dododo ala bena yewu ma wa didi nti kokwe te mi afa agbe oji ma o fe dojola aklomi na chichi to pe gododo ra wona si ama le gudu anu alea Blada wetro nou fa fiak plek gododora to fie gade ide saga seke kuda ide memleda nchito plek gododora tsong ti gaseke ide nto gawefe plek fie gade ide saga seke kwasida nti ganyi ide gawo nou fa fiak plek gododora aye kwasida ma wetro gato ide fie gade nou fa fiak plek gododora le radio jive ya fe yabala oji nyaten akpomi le miape Facebook plek YouTube nem yanglo evangeliste Paul Dojin Movi miake de miape busa ongu blada akule yaoda tsong ti gade ide nto gafe nem ye ide yesu nyang dodo fe aloja o la agbale fe do gafe buje fe ya fe megbe do me tututu le khetra no petit a petit aye togble akwe ple jagble le konji a fe mku me tututu mi ating ayo gbedo da fe ya fe agbale nglo fe ya nem ye hianu me kuku ade le nomba si a oji blase ke vo ato bla ne vo ne bla to vo fe alo blase ke vo andre bla andre vo deke bla ve vo ene bla ve vo deke wo yirame Danse, réjouis-toi. Moi, tu donnes un sac de gaga dans ma houe. Réjouis-toi et viens donner ton offrande à Dieu. Appelez-le. Infiniment merci à lui. Danse, ne Oh,
La nyanyu kakala Paul Doji numovi bo adenji jido kwa gbedodora wona de tome to blada wleti enyi afen keke blatwa yide kwasida wleti asik ya fen keke neaji wo de tanya le sakadi afen akbale tanyi pokwe blavvo etua mesi globe aleje wo ase porte blo esi e mayila nchu ewo achu duko fa gbegbe blo katame ale yu da nchu de kafa wo to ga globe na nya yi plemi la bana mi sebe mauli plemi afatu la sokbe pe ya na mi afen akbe ona su ta sedidi no fiu mi fa na doyo tutu ya irakle dododo alabena yehuwa mawa didi nti kokwe te miyafe akbe uji maufe dochola akpelomi nanchijito kle gododora wanasiame nebidwanu alea blada wetro nufafia kle gododora tofie gade ide saga seke kuda ide memleda nchijito kle gododora zong nti gaseke ide nto gawefe plefie gade ide saga seke kwasida nti ganyi ide gawo nufafia kle gododora aye kwasida ma wetro gato ide fia gade mfafia kwa gododora le radio jive ya fe ya vala oji nyateng akpomi le miyape Facebook le YouTube ne miyanglo evangeliste Paul Doji Nmovi miyakede miyape busa ongu blada kwa le yaoda zong zi gade yide ndogafe ne miye yide yesu nyangdodo fe aloja o la akbale fe dogafe vujie fe ya fe mekbe dome tututu le khejano petit a petit aye togble akwen kwa le jagble le konji ya fe mkume tututu miyateng ayo gododa fe ya fe akbale nglofe ya ne miye hiyanu mkuku ade le nomba siya oji plase ki blase ke voa to blane vone blato vove allo blase ke vo andre blandre vo deke blave vo ene blave vo deke wo yirami L'Éternel
dans sa miséricorde et son amour à l'endroit de son peuple, mais une fois encore à cœur à son serviteur, l'évangéliste Paul Dodjin Lumonvi, d'organiser un programme de jeûne et prière qui aura lieu du mardi 30 août au dimanche 4 septembre 2022. TM, Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un chiffre par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le Seigneur s'est apprêté pour faire de votre vie un grand témoignage. Venons donc à cette rencontre de guérison, de délivrance, de bénédiction et de restauration, car l'Éternel va encore faire descendre sa gloire sur nos vies. Le serviteur de Dieu nous dirigera dans cette séance de jeûne et prière dans le camp selon le programme suivant. Mais avant d'avoir la maturité spirituelle, tu dois traverser des épreuves. Mardi soir, enseignement et prière de 18h à 21h. Du mercredi au samedi, jeûne et prière de 9h à 12h et de 18h à 21h. Dimanche matin, de 8h à 10h, enseignement et prière. Dimanche soir, de 15h à 18h, enseignement et prière sur la radio JVA. Nous serons en direct sur notre page Facebook et compte YouTube intitulé Évangéliste Paul Dodjin Lumonvi. Notez bien, nos bus seront disponibles le mardi et le jeudi de 6h à 14h dans nos annexes et Jésus est la solution suivante. Agbalé Pédogan, derrière la gare routière, Hidranawe petit à petit, Tokblé à coin, Jackblé en face du CMS. Pour toute information, veuillez contacter le secrétariat du camp de prière sur le plus 228 90 95 44 52 ou le 97 71 24 21. Soyez bénis. C'est bon? Mesdames et messieurs, chers abonnés du ministère Jésus est la solution, nous sommes donc à la fin de la prière de ce soir. Nous ne pouvons pas clore cette séquence de prière qui a été une séquence de prière très mouvementée sans pouvoir recevoir quelques avis avant de nous séparer. Pour ce fait, j'ai à côté de moi ici un frère ou un monsieur qui est aussi le participant. Nous allons donc recueillir dans quelques de ses avis sur la prière de ce soir. Tonton, soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Et comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle monsieur Joël Kihéou. Je viens de Lomé. Et est-ce que vous êtes ici pour la première fois ou vous avez l'habitude de venir dans ce camp pour la prière? C'est ma deuxième fois que je suis arrivé cette fois-ci. Et vous êtes là depuis mardi ou est-ce que c'est ce soir et vous êtes venu? Je suis arrivé le mercredi. Voilà, donc ça fait pour nous un bon point. Ça fait pour nous un bon point. Vous êtes là depuis mercredi. Vous êtes là depuis mercredi. Comment est-ce que vous trouvez la prière ici dans le camp? Oui, mais c'est très wow, c'est très bon. Parce que depuis que je suis arrivé, j'ai senti qu'il y a vraiment de l'onction. Il y a la présence de Dieu ici. Et quand je suis arrivé, il y a beaucoup de choses qui m'ont impacté. Et particulièrement pour cette soirée, voilà. L'onction était à un degré supérieur. Parce que même depuis le début, les louanges jusqu'à ce que l'homme de Dieu, les témoignages, jusqu'à ce que l'homme de Dieu, l'évangéliste Lumonvi Paul, ne prenne le micro, on sent qu'il y a une onction spéciale ce soir. Nous avons vraiment été bénis. Et ce soir, il nous a entretenus sur le thème que tout le monde connaît, le serpent à domicile. Et l'évangéliste nous a renvoyé.
renvoyé vers un passage de base dans le livre de Psaumes, le chapitre 41, verset 6, qui dit que mes ennemis disent méchamment de moi que quand mourra-t-il, quand périra son nom. Et donc l'évangéliste, par son intervention, nous appelle la distinction entre l'adversaire et l'ennemi. Il a dit qu'on peut prier pour un adversaire, mais un ennemi, jamais. On ne peut jamais prier pour un ennemi. Et donc, nous avons appris aussi aujourd'hui, par sa parole, que l'ennemi, nous devons le combattre. Mais un adversaire peut avoir la chance qu'on prie pour lui. Et à la fin, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que pendant le message, ou bien pendant la prière, l'homme de Dieu recevait des paroles de connaissance. Et à la fin, lorsqu'on a demandé des témoignages, nous avons vu que la masse, ou bien certaines personnes, confirmaient les messages de connaissance que l'homme de Dieu recevait. Et c'était vraiment extraordinaire. Nous avons vraiment été bénis par ce message. Et c'est ici l'occasion pour moi de dire merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, l'évangéliste Numovi Paul Dodji, qu'il a laissé dans ce centre. Et je demande à Dieu de le bénir et de l'oindre davantage pour que non seulement le Togo soit béni par lui, mais le monde entier. Je vous remercie. Soyez bénis. Quel appel vous pouvez donc lancer à toutes ces personnes-là qui se trouvent de par le monde entier, qui n'ont pas encore effectué les déplacements sur le camp de prière Jésus à la solution? Voilà, je pense que je n'ai plus quelque chose à dire encore parce que les résultats sont là. Alors, à mes frères et sœurs qui ont toujours des doutes sur ce centre, je leur invite de passer ici. Quel que soit ton problème, lorsque tu vas mettre ton pied ici, ce n'est pas l'évangéliste qui va te guérir, mais c'est Jésus qui te guérit. Sans qu'il ne connaisse ton problème, Jésus va te toucher et tu auras la solution à ton problème. Comme le dit le nom, Jésus est la solution. Soyez riche, ma bénie. Merci beaucoup. Nous avons été ravis de votre partage ce soir. Alors, le programme continue. Et le rendez-vous est pris sur demain matin. Merci bien, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, frère, chers abonnés du ministère Jésus la solution, donc voilà l'intervention du frère pour les francophones. Nous ne pouvons jamais partir sans oublier les évêques. Voilà, nous allons recueillir aussi quelques avis. Nous avons aussi des participants. J'ai rencontré un couple ici, un couple béni. Voici le monsieur donc, il y a aussi la dame qui est derrière. Nous allons recevoir leurs propos sur la prière de ce soir. Papa, est-ce qu'on va aller en français ou en évé? Vous voulez qu'on aille en français ou en évé? En évé. Ok. Miato Jijifonu Kolo, Miame Yokata, Kude Yesoyen Dodofe, Ministère Réanji, Miame Yokata, Donak Beda, Tomaou Fenyak, Mau Nyakakala, Mouvi Doji Paul Fedo, Naome, Mijibe Miakola, Mibe Wotroyala, Tanya Kamoumie Dogbeda, Eyanya Afemeda, Eye Bedododa, Eno Boutou Boutou Boutou, Tomi Mablemio, Nem Yame Yoke Pomile Jijife, Volete Foyala, Eganya Nyabunto, Kemi Matem. Akpa le tefe ya wotro ya ikemi ma kho amedeka vedo fe nyanu dede kude gbedododa ikemi wo le tefe ya nsi o ta e yantie me ba gede amedo alo me kpo amedo me kho amede fa fifla ya fo nu nami le french me kemi ba kede fo me ya ya yanchi yo jibe ya de nyanu nami le fegbe me kemi ato mi aweso yo mi de kuku de ko yonami o de kuku yonambe monsieur adra monsieur adra ke me de kuku fika micho e cho lome Mais tu veux m'habiller tout tout bagné y a mi va fi allo allo mi va na ho 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 ho. Mais de coco mi le toi dit que si agbe. Eh mi le toi dit que si agbe. Que ma amli ma doyo que ou ma ou le toi agia. Mi ohan y a mi yo que ni da se fon tonto ou de amli ma doyo ou. Tonto. Mi ni da se fon di la ou le nchin tonto. Eh ou toi ya etanya yingu mi dog beda kudo y a ni afeme da. Eh nu ojo. Mi o ni ekbo. Ame yo que le djidjibe ha wate ma di da se. Que mi ame yo ke la misisi ame le wotro yare nya kai le miasi mi atema glo kure gbedo do re ke mo pa mi aplonchi to tugba mi da pe ne mawo de mawo ba mi sami na fa gbeta e go me je mawo le zele to ya ji ni va to ya ji a to ya ji to ga me mi le va to ya ji a mawo le wa mi le ma to ji le mi ba gbe me e to wotro ya to e gba le to he ale gbegbe e ke be kho micro zere ka mawo be gbogbo didi va to ya ji bien que ben miami mele choti ho amo cha mi le godo wa gbogbo ko pe wo do ale gbegbe amo ho do yoyo ami si ti ba moji ye enu ojo butubutu mi epo ko mi epo e bena mawu ba si le ya me aji
akpe ko mia dire mawo re ba gbeta e wo do mawo to eji zamo mawo to eji tukana mo mawo to eji yodo na mo le zayame ame ado ntogo ha o gbele ba danu do yo ta ma tuna no viere le zayame be le zayame a ne nyi be amre kpo mia ne nyi ko be mawo le doji le agbado ya me mawo le doji le to ya ji lo ta ame ade ne jito ya goma ne wa echa wa ba akpo mi baba nde le fiya akpo ne mawo me kare ji be won ton se nyafo me ga hia be ma ponu fu o vo fo me ya gra de nchi me kedo mia to ye ya mia no la hada me ne mia no enya ka ile mia si le otro ya ku de gbedo dora ike mawo ba mia klo nchi de ko ma gbo bana lo tro ya ji jomi de ma un ti sugbo ara be ke mi va to ya ji to ya ji ya mia no no mo tro enu ko mi ma susu wa to ya ji ja ma wu we na mi Edi jomi ta no vida e ke la fide le kwa mi le otro ya la me ka ha ha e ke mo lo ana ji to ya ji ba mo ma u la tro e bo nchinya a mi sisi ke le to ya ji a la de so le ba gbe me gbe na so yo fo mo yara o yira mi lo e jo ji na mi be mi se mi a be nyangu de de otro ya to ji no la o mi a me yo kata ga koto le kamele otro ya mi ji be mi a gbo na mi be otro ya ha mi ga le papa me nye ya ke gododwa e potole e choji programme a mie che comme cho brada wotro mie no e me chonde ple wotro ndi ya ha mie no e me wotro ya ha mie ga no e me ke e choi ke nye feedback be a programme a e continue e ye wan oji le wotro me e ye meme da ha meme na wotro ple kwasi da ha ndi e ye enu wa ano radio jva le lume ne amoyo kata sene kokokoko a ke mia dogo le tefe ma hena wona ofe nu wu e ye mia moyo ke le tefe dia mi pe mia no vio amoyo ke ti agba fofofo de le mi ti be mia gbona mi be yesu enye ndodo a mi di chela te fofofo mi me pong ndodo na mia fe agba o dolele ba gba ya e fe gba ele mia dia nu me toto kayo e jiku jiku ya e vi ma ji pa gba ya mi ti be mia kade china mi be yesu enye ndodo ne mi gede tefe ya la nya tefe matro nya fe non mo watro ena mau fe ndodo ala be bible antro le gbogbo be nu fa fa onye na mau le eyi ya me be ya wo nu dan ndonu le evia fe agbe me ala be ameyi o ke me po ko mau ji se ola wale de evia o nti wa gbogbo be na mi aye pre mi ala be na mau fa fa de le mi asi for you who are in the English speaking country. We want just to tell you that here God is doing wonderful things wherever you are, whatever is your problem, whatever you are facing in this life, no matter what you are going through, we just want to let you know that God is doing wonderful, a tremendous, marvelous thing here. Whenever you come, I just want to tell you that you will experience your miracle, you will experience your healing, you will experience whatever you are waiting, you are waiting to receive from the Lord. So you are in the United States, you are in Asia, wherever you are, we are inviting you. The program is pursuing, but if you did not have the chance to attend the program this month, we are inviting you warmly, we are inviting you to the next month. We are here, we are attending, we are waiting for you, and when you come, we will welcome you warmly. And whatever you are going through in this life, I gonna show you that God is about to give you the solution. For this camp is named the camp of prayer, or the prayer camp. Jesus is the solution, and whenever you attend here, let me tell you, God is about to give you the solution for the glory of his name. So wherever you are, let the peace of God be upon you, and let his grace be upon you. Shalom, shalom, shalom. L'Éternel, dans sa miséricorde et son amour à l'endroit de son peuple, met une fois encore à cœur à son serviteur, l'évangéliste Paul Dodjin Lumonvi, d'organiser un programme de jeûne et prière qui aura lieu du mardi 30 août au dimanche 4 septembre 2022. TM, Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un chuf par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le Seigneur s'est apprêté pour faire de votre vie un grand témoignage. Venons donc à cette rencontre de guérison, de délivrance, de bénédiction et de restauration, car l'Éternel va encore faire descendre sa gloire sur nos vies. Le serviteur de Dieu nous dirigera dans cette séance de jeûne et prière dans le camp selon le programme suivant. Mais avant d'avoir la maturité spirituelle,
Tu dois traverser des épreuves. Mardi soir, enseignement et prière de 18h à 21h. Du mercredi au samedi, jeûne et prière de 9h à 12h et de 18h à 21h. Dimanche matin, de 8h à 10h, enseignement et prière. Dimanche soir, de 15h à 18h, enseignement et prière sur la radio JVA. Nous serons en direct sur notre page Facebook et compte YouTube intitulé Évangéliste Paul Dodji Noumanvi. Notez bien, nos bus seront disponibles le mardi et le jeudi de 6h à 14h dans nos annexes Jésus à la solution suivante. Agbalé Pédogan, derrière la gare routière, Hidranawe petit à petit, Tocblé à coin, Jacblé en face du CMS. Pour toute information, veuillez contacter le secrétariat du camp de prière sur le plus 228 90 95 44 52 ou le 97 71 24 21. Soyez bénis.